Mais là, moi, je suis un 75 heart. C'est pas l'alcool pendant 75 jours. Là, ça fait à peu près 40 jours. J'ai cheaté 37 fois. Cheers, guys. Puis deux jours après, man, j'avais un gant débouché, man. J'avais comme dit, hey, fuck off, les gars. Moi, je rentre pas de la semaine. Je vais faire des saucisses. Hey, là, tout le monde pensait que j'étais en burn-out. Moi, je me suis fait cancel parce que j'étais un bully. Moi, chaque année, je check le show. Puis le monde s'attend à ce que je dise de la merde. On se met sous des goggles de ski, là, du snowboard. On est rentré, puis je saute dans le spa, moi, tu sais. Là. Mathieu Daudé, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, là? Tout, qu'est-ce que tu moi, fais? Moi, ce que je fais, là, moi, je suis un doute que 1000 passions. Je suis très lazy. Fait que le stream, c'est parfait pour moi. On rencontre des crackheads. La dernière fois où on est allé, on a bu beaucoup, beaucoup de mètres. Il y a un gars qui crie dans la rue. Partout ici, moi je surveille ton genre. Mais tu fais de l'argent à jouer à des jeux. Ah, ça va très bien, là. Sorry, là, je suis méchant, là, c'est mon tour de parler, tailleur. Vas-y, je t'écoute, je te questionne. What's up, guys? What's good? J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a deux invités, des légendes, comme chaque fois. Mathieu Pellerin, légende de Twitch. Gars qui a fait OD, chum de Claudie Mercier. Passons à l'autre. Philippe Saint-Laurent, roi de la saucisse, ce gars qui est avec des millions d'anecdotes et des contacts à l'infini. C'était légendaire! J'aimerais remercier nos commanditaires, Skuskus, qui nous abreuvent de ce délectable nectar. Et... sans oublier, GE Famille, qui sont une application que vous devez absolument avoir si vous avez une famille, un couple ou une colocation, une putain de... comment on dit ça? Une fraternité? Si vous avez ça, puis vous voulez que le monde sorte le recyclage, pogne-toi GF Famille, mon chum. Puis si tu veux qu'ils sortent la merde dans le bouchon du lavabo, t'as besoin de GF Famille juste pour leur rappeler des fois, man. Des fois, c'est bon d'avoir juste un petit... c'est comme un petit... pour que tout ce soit structuré. Alors, excellent podcast, guys. Peace! Je m'attendais vraiment à avoir un gros lait à côté de moi, là, vu que c'est surprise, l'invité. Ah, ok, ouais, non, mais hein, Chris, de quoi tu parles, là, Philippe, c'est un G, là. Non, mais je le sais, mais non, mais je le constate maintenant. Ok, ouais. Je suis content, j'ai un compliment. Hey, moi, avec les gars d'Odé, j'ai dit, maman, t'es rendu là. Ouais. You made it, dude. Oh, c'est bon, ça. T'es ouais, là, man. Ouais, avec des gars d'Odé, les deux meilleurs, je pense. Moi, ouais. Madame, on est comme. T'as fait Odé. Ouais, mais je fais autre chose, là. Le monde des personnes qui font comme. Hey, depuis que t'as commencé à faire la musique après Odé, t'es tellement bon. Je suis comme, B, ça fait comme 20 ans, je fais de la musique. Ah, oh, man, ça me fait chier, ça. Le style d'Odé. Odé, là, on dirait que c'est comme une marque qui annule tout ce que t'as fait avant, genre. C'est gosse, hein. Mais c'est pas grave. Tous, c'était saucisse. Là, vous deux, vous êtes chum, là. Ouais, ouais, ouais. Je non, le connais on pas a... tant, là. Ben, il me paye pour aller dans ses affaires. Chaque fois qu'on chill, il me paye. Puis moi, vu que, tu sais, il fait beaucoup d'argent, il fait beaucoup de sous, je viens l'encourager, il me paye pas ici. Ben, c'est ça, j'ai dit, moi, je te paierai pas, mais viens à mon podcast. Non, mais ben, c'est une joke. Bref, hey, moi, je veux savoir avant tout, c'est-tu commencé, là? Ok, c'est commencé. Hey, what's up, guys? What's good, Twitch? Parce qu'on est en live en passant. Oh, t'as passé ton stream? Ouais, le stream est en live. Moi, je voulais savoir, première des affaires, j'ai pas checké tant que ça. J'ai pas fait de recherche tant que ça, parce que je me suis dit, ouais, c'est ça. D'habitude, oui, mais pas à soir. Habituellement, j'en aurais fait, mais là, je me suis juste dit, c'est Philippe, fucking cool, tout ce que je sais. What you see is what you get avec Philippe. Puis c'est un peu similaire avec Matt, fait que je me suis juste dit, fuck les recherches, on va juste chiller. Ça se passe là, là. Ah ouais, puis moi, je veux savoir, là, t'es rentré ici en me disant, je chillais, puis je pognais des balles de golf dans je prenais des balles de golf au club de golf à Saint-Basile, parce que là, on est à Saint-Basile-le-Grand, moi, j'habite, je suis né ici. Tu es un gangster. Wow. Je volais des balles au club de golf ici, puis je les revendais dans des douzaines d'heures. Tu dis que t'étais un gangster? Ben, quand tu viens de Saint-Basile, mon gars, t'as vu des bizarres. Mais d'abord, t'es pas né dans le coin, c'est la rue, c'est là. Non, je suis né dans le rang, là, Bella Vista. T'es né dans la rivière. Mais ça, c'est quoi? C'est ça, mais il me semble que c'est toutes des estides belles pioles, cette, non? Écoute, tu pensais pas aller plus loin. Ok. Non, mais je niaise. Non, oui, Saint-Basile, c'est beau, là, tu sais. C'est juste qu'on a toujours été comparé à Saint-Bruno, puis de Montarville. Ah, ok, ouais, t'es comme un peu. On était en bas de la côte. Puis Saint-Basile, on était reconnu pour avoir la meilleure Saint-Jean-Baptiste, tu sais. C'était ici qu'on s'explosait le plus. Ça a toujours été légendaire. Non, moi, le rire qui fait de toi, what the fuck? Tu me vois, moi, je suis émerveillé. Je suis content de toi, là, pour vrai, c'est hot. Je suis content, mais j'aimerais ça une bière. Ah oui, c'est vrai. Hey, Oswald! Ça marche pas sinon, là. Oswald!
J'ai tout de suite suivi le vibe. Moi, hey, j'étais brûlé. Ce matin, là. Parce que là, on a des seltzers, mais. Comment ça, t'es brûlé de même? Ben, moi, l'envie, tu sais, dans le fond, contrairement à Damo, je travaille beaucoup. Fait que, tu sais, je fais de mon mieux, je stream beaucoup. Puis là, en fin de semaine, moi, je suis un gamer, même si j'ai l'air d'un Apollon sportif, tu sais. It is what it is. Puis là, j'ai fait des 14h puis 13h back-to-back. Puis. Qu'est-ce que c'est pour ça que tu parles en morse, là? Ouais, exact, exact. Ouais, exact. Je parle. Ça, fuck you. Je parle avec le vieux franglais. Hey, je m'excuse tellement, c'est vrai, on me le dit tout le temps. On me dit tout le temps. Pourquoi tu parles comme si t'étais d'une autre planète? C'est parce que là, mes codes. Oh, je m'excuse tellement! Je viens de devenir vraiment, vraiment comme conscient de la patente. Mais c'est vrai. Moi, je passe trop de temps sur Internet. OK. Toi, tu passes beaucoup de temps à le fumoir. Ouais. Là, il est vraiment parti nous chercher une bière. On est tous les deux, là. Ben, je ça ne marche pas. Ben, tu es où? Toi, t'as grandi où? Je viens de Drummondville. Oh, shit! C'est la chicane avec la poutine, le fromage en grain. C'est pas une chicane, c'est nous qui l'a. C'est pas grave. Mais pour vrai. Franchement, moi, je suis un bon glouton. J'adore la bouffe. Puis le fait que je sache. Oh! C'est ma préférée! La gratis! Hey, j'ai jamais bu ça, c'est merci! Tiens. Oh, c'est de la banquet! Tiens, toi, tiens. Tout pour toi, ça. Oh non, c'est branché de la course. Ah, oh, c'est feels bad. Non, mais c'est l'original, au moins, c'est pas la course light, là. C'est un boy qui m'a amené ça, man. J'avais jamais goûté ça de ma vie. Eh, pas pire. Hey, tu t'es sauvé là-dessus comme tu sortais du désert! J'ai soif! Non, il est comme. J'ai pas arrêté. Chris, c'est le temps d'une mousse, tabarnak. J'espère bien qu'il y a soif. Et lâche la ceinture, là-bas. Ben non. Moi, je bois de la ceinture. J'ai pas. Mais moi, j'aime ça. Lâche ton verre d'eau, dude. Ben, attends un peu, là. Attends un peu. Ça fait du bien, là, c'est frais. Là. Ouais, t'es fucking drôle. Puis en plus, tu t'intéresses aux gens. C'est non, un coup, ça. Ben non, il faut, calme-toi. Sinon, on va vivre dans le bois. Comment t'as rencontré ce câble-là? Est-ce qu'on théophile, Big? Tu t'en souviens-tu? Eh hey, oui, puis je vais t'en compter une bonne, parce que je pensais que t'étais un esti de crosseur. Parce que. Oui, là. Oui, écoute ça. Parce que, dans le fond, une de mes blondes, elle avait un de ses amis qui est allé à Love Story, ou je sais pas vos affaires. Puis là. Yikes! Marcuzo. En tout cas, un nom comme toi, Ouais. Il y a plein de monde qui disait qu'il me ressemblait en plus, là. Fait que là, quand je t'ai vu, j'arrivais là. J'ai, tu connais mon ami Emily, là, tu dis, oh, là, non, j'ai le crosseur. T'sais, ah, parce que tu m'as mélangé avec Arcadio. Oui! Marcuzo. Excuse-moi, mais après, c'est là que j'ai vu après ça. Là, non, finalement, elle me dit, mais non, c'est pas ça pantoute. J'ai pas senti un cas d'amour. Asti que c'est bon, man. Fait que là, après, genre, Chris, il est cool. Puis là, moi, c'est à cause de Manny puis Jean-Michel Marleau. Exact. Là, je t'ai vu. Puis là, j'ai vu que t'étais nu-pied, man. Cool au bout, là, toi. Ben oui, ben oui, man. Puis dans le podcast, le temps d'un jujube avec anticipateur. Ah, moi, c'est là que je t'ai découvert. Là, ah, tabarnak. C'est récupéré. La culture. T'es bien cultivé parce que c'est. C'est de la violence audio et visuelle, ça, regardez ça. C'est terrible. D'ailleurs, j'ai des petites idées à éventuellement pour le temps d'une mousse qui ont un lien avec ça. Ça va être bon. Tu vas réinviter Asher? Peut-être. Hey, guys, non! Cheers! T'es sérieux? Cheers. Là. On va se faire un vrai cheers. Ouais, là, moi, je merci pour le temps d'une mousse. Mais Gandem, là, t'es excité, j'ai soif aussi. Non, mais attends un peu, le tableau, on va te chier dessus, mais t'es en haut, regarde. C'est un 75 heart. C'est pas l'alcool pendant 75 jours. Là, ça fait à peu près 40 jours, j'ai cheaté 37 fois. Cheers, guys. Moi, j'ai fini. Ouais. Moi aussi, j'ai fait un défi, 48 heures. T'as-tu réussi? Ah, oh, ouais, facile. Facile? Non, je niaise, là, je bois pas tous les jours. Mais okay. C'est souvent vendredi. Ah ouais. Calvaire, là. Mais tu es un gros buveur ou? Ah, c'est pas méchant. Ben, ouais, tu sais, j'ai une compagnie qui s'appelle Les Bons Buveurs, là, tu sais. Puis ils en fument du bon. Fait que j'aime ça, là. Puis ça, prendre un petit verre de la bière, du vin. C'est pas du rhum, mais de la tequila. T'as quel âge, mon fun? Sur Facebook, 32. Non, j'ai 45 ans. Personne pense ça. Non, t'as l'air de 37. Mais j'ai 10 000 âges, là, tu sais. Ah ouais? Fait que, ouais. Mais pourquoi tu voulais savoir ça? Ben, parce que je voulais juste avoir une idée de toi avant de te des jokes. Lui, il voulait sûrement se dire, genre. Je vais aussi avoir l'air de ça. Non, mais 45, t'as l'air d'un méchant bon vivant. T'es super drôle. Tu sens-tu qu'une fille qui a genre 32? Non, 40, c'est. Ah ouais! Mais elle a plus jeune. Fais-tu longtemps? Les gars comme toi, là, ils ont tout le temps des blondes plus jeunes. Parce qu'il est bien trop drôle, il paraît bien, tu sais. Il est grisonnant un peu. Mais longtemps, j'ai eu des jeunes blondes, là, mais. C'est écrit dans ton front. C'est derrière tu moi. Tu portes une casquette des Lakers, lui. Ouais, là, il est G, là. On n'arrête pas. Là, dans le fond, le podcast a commencé, on fait rien qui lançait des fleurs. Ah ouais, c'est quoi le pot, là? Non, OK. Bon, la vérité. J'aime le bon monde. J'aime le bon monde passionné, ouais, c'est hot. C'est écrit à son front qu'il tripe. Qu'est-ce qu'il fait? Il fume du weed, il dit brosse. Ouais. Puis j'élève des poissons, des koi, des carpes japonaises. On me surnomme Koi Daddy. Oh, j'ai gagné, là, c'était le Koi Show Montréal au Jardin Botanique. Et puis, je suis arrivé numéro un. Ben, un de mes poissons est arrivé numéro un dans une catégorie très précise. Fait que c'est comme si maintenant j'étais dans une compétition de boucher. T'élèves des poissons? Des carpes japonaises. Moi, chez nous, j'ai trois bassins extérieurs. J'ai 7 aquariums dans la maison. Yo, big, pull up la carpe japonaise. Tellement drogué que.
que j'en produis. J'en fais un couplet, puis j'en vends pour le fun, là, mais si tu veux toujours garder les plus beaux, puis tout ça. Puis en tout cas, c'est très compliqué, mais c'est des poissons, tu sais, qui ont deux pieds de long. C'est comme avoir une écurie, mais de poissons, genre? Ouais. Mais toi, tu les accouples les plus beaux ensemble, puis ah, oh, man, pis... c'est toute une histoire. Je peux vous en parler toute la journée. J'avais l'air aussi mongol qu'Orange Lessard. Parce que tantôt, quand t'as parlé des... Tu sais, j'ai pas fait de recherche, moi non plus. Je suis allé voir, genre, Orange Lessard, lui, je l'aime bien, un gars de trois roues. Fait que là, j'ai vu, man, il s'était montré la scène live. Oh, là, j'ai fait comme, ah, je peux pas rien, je peux pas battre ça. J'ai arrêté les recherches, ce soir, arrêté, là. Non, mais c'est ça, on s'entend le temps d'une mousse, on s'entend que c'est ça. Des fois, ça dérape. C'est toujours l'affaire que c'est tellement niche, qu'il y a tellement de personnes qui participent de ça, t'es comme, c'est moi qui ai les meilleurs carpes japonaises. Ben, non, mais ça doit être niché, mais il doit y avoir du monde qui sont vraiment là-dedans. Bon, c'est sûr que, tu sais, partout dans le monde, les pays avec de l'argent, la Suisse, moi, je suis amie sur Facebook dans plein de groupes dans le monde. La Suisse, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, c'est le Japon, l'Indonésie, c'est les plus passionnés. Là, au Canada, c'est BC, Toronto, beaucoup d'Asiatiques aussi, puis Québec, on est bon dernier. Moi, ma job, c'est de faire promouvoir les koi, la carpe japonaise au Québec. Puis, ben, crime, c'est des poissons, pour répondre à ta question. C'est pas mal des gens un peu plus vieux que moi, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, parce que ça coûte très cher. Là. Ah ouais, c'est comme ça. Il y en avait à 10-12 000, le poisson. Là. Quoi? Moi, j'ai payé des poissons 1 000 là. J'ai des poissons à 1 000 qui sont morts. J'ai broyé à genoux, j'ai lu. Je fais pas rien que lire, là, Chris, j'étudie. Je parle japonais, calvaire. Ah non, c'est grave, mon affaire. Puis, j'accouple. Là, je prends des spécimens, comme des chiens. Tu sais, ah, un collet avec un Doberman. Paf, si, puis là, je fais ma lignée à moi. OK, mais d'où ça a parti? Ça? Mon Qu'est-ce Dieu, ça a l'air d'un fever dream. Ouais, c'est comme... Je vais vous inviter chez nous parce que j'ai un bar dans mon sol. J'ai des bars pas mal partout dans la maison. Mais dehors... Il mange chaque pièce. Oh, ouais, non. Ma cabane à jardin, c'est un lobster shack. Puis dans le sous-sol, j'ai mon aquarium quand j'avais 5 ans, avec la photo de quand j'avais 5 ans avec l'aquarium. J'ai eu toute ma vie. Wow. À l'auberge chez Gabriel, j'avais dans mon bureau, Chris, un aquarium. Mais en tout cas, puis c'est une passion. Là, tu sais que, mais ça a commencé quand t'étais kid. J'ai toujours eu des poissons, tout ça. J'aimais les bassins d'eau, j'aimais le paysage. Maman travaille à la ferme florale botanique, c'est juste 616. Fait que t'es vraiment un gars d'ici. Là. Ah, ici, à côté à de fond, ça. Là. Je suis allé revirer chez Joe Sarnac. Ce les vrais savent. Fait que, en tout cas, j'allais la voir là-bas dans la serre. Il y avait un bassin d'eau avec des poissons rouges. J'aille pas ça. C'est parti. C'est parti. Puis là, au jardin botanique, ben Chris, j'suis arrivé premier. C'est comme si j'étais un concours de boucher. Contre qui? Contre tous les OG de là-bas, là. OK, pour vrai, là, c'était du lourd, là. Hey, t'es comme le king. W dans le chat, guys. Avec des gars d'Ontario, puis ça brassait. Puis pour finir ça, parce que je sais que j'ai l'air d'un dîner de con, là, sinon, c'est que c'est comme si j'étais bouché, puis j'avais gagné, mettons, le meilleur filet mignon au Québec. J'ai gagné le meilleur chouchoui d'Oitsu. Prap. Mais ça veut dire. Mais là, ton poisson est pas mort, là. Chris, non, c'est ça qu'il est au Beach Club, là. Je l'ai envoyé là-bas, là. Au Beach Club des poissons, là. Mais t'as un peu. T'es comme les daddy de tes poissons qui font la lignée. Là, t'en gardes des beaux. Là, c'est deux mâles pour une femelle. Puis. Ah, ils se mettent à deux dessus, c'est chiant. Mais ça dépend. Ouais, c'est la reproduction. C'est bien spécial. Puis, ça va. Les mâles vont taper avec le museau dans le bedaine de la femelle. Ils vont la pourchasser. Puis, elle va déposer ses œufs sur des plantes. Puis, là, quand ça c'est fait, le mâle lance. Les deux mâles vont lancer le sperme. Puis, là, ça devient des petits œufs. Là, faut t'enlèves les mâles, les femelles, parce qu'ils vont les remanger pour les protéines. Et puis, là, ça devient après 5 jours des alevins. Fait que moi-même, j'ai comme des mini spermatozoïdes de poissons dans l'eau, puis je n'ai de fucking 26 pouces, là, tu sais. Fait que, mais je vais vous inviter de toute façon. Ben, 100%, c'est moi, ton, c'est un side hustle. Ouais. En gros, j'arrête jamais. Mais c'est ça que. Ben, en passant, juste parenthèse de même, t'es le dude qui me fait le plus rire en message, genre Instagram, texto. Messenger, texto, là. Tout le long, j'écrivais Yo, what's good? Nanana, grosse affaire, puis il répond Miaou. Miaou! Ouais, j'aime bien ça. Ça ou des cœurs. Je finis de mettre des cœurs. Là, j'étais comme miaou, j'imagine, ça veut dire oui, je suis intéressé de passer au podcast. C'est positif. C'est positif, ça fait rire. Miaou! Mais t'es comme le gars qui fume du weed le plus énergique de ma vie. Ah, écoute, ouais. Puis j'aime bien ça. C'est fou, man. Puis tu sais, l'indica, là, me fait pas peur. Ah ouais, hein? Mais t'as pas l'air d'avoir peur grand-chose. Je pensais que l'indica, c'était in the couche. Ouais, couche is my cologne. Mais mettons que je te dis. Parce que là, t'as ta passion par rapport aux poissons.
Mais ma vraie passion, c'est la saucisse. C'est ça, parce que la réelle... Je suis fondateur de la compagnie Ils en fument du bon. Je suis dans ma 10e année. On a une 30aine d'employés. Ça roule en esti. Le marketing est incroyable. On a 11 magasins au travers le Québec. Puis moi, j'ai décidé de ne pas être dans les épiceries. J'ai décidé de rester punk, de ne pas aller jouer, mettons, à fucking c'est quoi, puis dire que t'es NoFX, tu sais. Fait que les gens, s'ils veulent la saucisse, ils en fument du bon. Il faut qu'ils se déplacent. Il faut qu'il y ait des boutiques. Puis dans les boutiques... on a des partners, puis les employés formidables, puis c'est l'expérience client, puis le monde est flyé, les magasins, puis Chris, ça a l'air d'une vente de garage. C'est à ton image. Ouais. C'est pété, là, on met du reggae, puis let's go. Puis la saucisse, pourquoi qu'elle s'est démarquée? Ben il y a 10 ans, tu sais, tout ce que vous voyez là, là, les saucisses à la poutine, il y a 10 ans, il n'y avait rien de ça. Moi, je fais les battes. Puis c'est un Suisse-Allemand qui m'avait appris à faire ça. Puis c'était... C'était qui, ce gars-là? Ulysse, un gars de Saint-Hilaire, un Suisse-Allemand qui m'a tout appris, man, grâce à lui. Là, Tout appris gratuitement de même. Il était juste comme, toi, t'as l'air d'être un vrai fan ou il y a une raison. Un de mes chums de l'école hôtelière, il a acheté une maison. Fait que à Saint-Hilaire. Fait qu'il m'appelle, il dit Chris. Il dit le voisin d'en face. Moi, j'ai mon grand-père. Tu sais, moi, j'ai fait une technique en gestion hôtelière. Puis je suis allé au HEC, j'ai fait un certificat en marketing, gestion d'entreprise. Je me suis fait crisser dehors. Puis je suis allé en communication à l'Université de Montréal. Puis ça a pas mal aidé de tout ce que j'ai fait. Puis j'étais copropriétaire du traiteur de l'Auberge Saint-Gabriel avec Marc Bollé, Garou, Guy La Liberté. Ça se passait. Les premières à New York. Okay, Vegas, fait que t'as eu des hosties de bonne fuck aussi. Oh man, j'ai eu du fun dans la vie. Mais à 30 ans, là, de 30 à 34, j'étais là. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, garde, j'ai dit, crime, moi, les vestons, cravates, tout ça, c'est pas trop mon truc. Tu sais, t'as vu comment je suis? Je me remettrais en t-shirt. Puis, tu sais, j'étais dans les cocktails, ça, avec les gens riches. Mais, crime, j'étais pas riche, là, tu sais, là, je voulais, là. Fait que, à un moment donné, je faisais les saucisses. Tu sais, le Suisse-Allemand, j'étais allé cogner chez eux quand mon chum a acheté la maison. J'étais allé le voir. Son garage, c'était une cuisine de charcuterie illégale de pirate, là, tu sais. Lui, il était à la retraite. Il était professeur de boucherie. De pirate, genre, comme dans le sens parce qu'il en fabriquait, le crime, à fin, beaucoup, là, tu sais. C'était pas la MAPAC passait pas là. Non, là, tu sais. C'est quoi, ils vendaient des produits directement de chez eux, genre? Dans le fond, c'est une personne incroyable qui était respectable pour le gouvernement, les fermes. Attends un peu, mais dans les fermes, ensuite de ça, il était boucher au DEP, il enseignait à tous les jeunes la boucherie en Suisse, un cours de boucherie. Tu sais, c'est 3 ans, il fouette, astique. Puis ces années-là, c'est pas ici, comme. Non, c'est sacré. Fait que c'est un monsieur-là, c'est 40 ans qu'il faisait des charcuteries. Il a pris sa retraite, mais écoute bien l'histoire. Il a pris sa retraite, puis il s'est mis à faire des charcuteries. J'ai une nouvelle, il s'est mis à faire des charcuteries, puis ses voisins. C'est pour le fun, tu sais. Puis il s'est rendu compte, et c'est lui qui m'a tout raconté ça. Il dit, les voisins capotent, les Québécois ont jamais goûté à ça. Puis la vraie saucisse, la vraie de vraie. Puis, tu sais, j'ai dit, on parlait beaucoup de la vie puis de la mort. Il était plus vieux que moi. Il avait peut-être 75 ans dans ces coins-là. Puis il dit, je regrette de ne pas avoir ouvert mon magasin. Parce qu'il dit, là, tu sais, j'en vends de même aux voisins à gauche, à droite. Mais Chris, tu sais, ça se passe. Puis avec un magasin, il dit, Chris, j'aurais dû faire ça avant, j'aurais dû être mon propre patron. Mais tabarnak, je m'en allais travailler, moi, un moment donné, là, dans mon autre compagnie, ça le traiteur, les petits cocktails. Puis c'est drôle parce que c'était le Cirque du Soleil, on faisait la première de Michael Jackson. Fait qu'on avait tout un. Il y avait 2000 personnes avec un esti de gang, en brillant. Puis deux jours après, man, j'avais un gars débouché, man. J'avais comme dit, hey, fuck off, les gars. Moi, je rentre pas de la semaine. Je vais faire des saucisses. Hey, là, tout le monde pensait que j'étais en burn-out. Même ma mère, mes amis. En tout cas, toute une crise d'histoire. Puis c'est ça que j'ai pensé. J'ai dit, Ulysse, il s'est dit, ah, tu sais, moi, il y a eu un travail parce qu'il y avait une famille, une maison, tout ça. Puis, tu sais, il voulait pas manquer d'argent. Puis, peut-être qu'il avait eu peur de pas partir de sa compagnie. Ben, j'ai dit, Chris, moi, j'aurais pas peur. Fait que là, je l'ai appelé, j'ai eu Ulysse. Je parle, là, il capotait, man. Il était venu m'engueuler. Il dit, garde, t'es bon, là, pour les saucisses. Mais, tu sais, faut-tu vendre ça, vivre de ça? C'est pété, là, tu sais. Pensez, t'allais dire. Fait, en tout cas, fait, trop de cul, moi, je vais le faire. Non, j'ai dit, regarde, je moi les vendre. Je moi les vendre, ça me fait pas peur. C'était ton boy, là, quelque part, tu l'aimais, là. Je pourrais broyer à comme terre, un deuxième non, père. Non, c'est fucké. Ouais, exactement. Tu sais, moi, les deux personnes qui font que j'ai fait de la télé, j'ai fait ci, ça, puis je me fais reconnaître dans le rétro et je dis, hey, bravo, t'es ça. C'est les deux sont morts, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est toute une histoire. Fait que, bref, Ulysse, finir ça, c'est fou, pareil, hein? C'est saucisses, après à faire les saucisses, toutes les charcuteries, tout ça, mais je me suis spécialisé dans saucisses, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y avait une recette avec du fromage râpé, 600 grammes. Je dis, calice, je vais en mettre plus, tu sais. Mettre 1,4 kg de fromage dans la recette. Puis j'ai dit, le fromage râpé, ça fond un peu à cuisson. J'ai dit, fromage en grain, asti. Tu sais, qui traîne au dépanneur sur le comptoir. Je dis, Chris, ma sœur, mettrait ça dedans, ça serait hot. J'étais allé acheter 4 sacs avec mon tablier au coin de la rue.
Puis j'ai dit, Chris, si ça tient à cuisson, on va être riche. Ben, tabarnak, j'ai fait cuire ça, man. La première saucisse bacon fromage en grain était née, man, au Québec. Pow! Fait que là, c'est là qu'elles en fument du bon. Puis là, c'était fucké, là, parce que là. Puis pourquoi elles en fument du bon? Moi, je trouve ça fort en test. Juste, là, avant que le weed soit légal, là, tu sais. Fait que, à un moment donné, tu sais, t'as beau être un bon cuisinier, un chef. Là, je suis pas un chef, mais je suis cuisinier. Bon, t'as beau être bon, mais faut que tu vendes ton shit après, Calis. Là, marketing. Ben oui! Fait que là, moi, elles en fument du bon, saucisse fumée. Le Québécois, il aime ça rigoler, les jeux de mots. Fait que si je fais ma demande au gouvernement, je m'en vais là-bas à rue Maisonneuve un matin. Là, le monsieur, il dit, ah non, il voit le nom de compagnie, ça fonctionne pas. Je commence à tabarnak. Il dit, hey, là, tu sais, je dis, là, regarde, là, tu sais, c'est pas comme dans le temps, ma grosse truie chérie, là, ils ont dit ça, puis ça n'a pas rapport. Moi, c'est des produits fumés, puis ça. Fait que là, ah, il dit, regarde, il dit, remplis ce formulaire-là, il dit, ça, tu vas l'envoyer à Québec. Si le gouvernement l'accepte, ils vont t'envoyer le certificat. S'ils acceptent pas, ils vont déchirer le chèque, puis ils vont t'expliquer, tu sais. Fait que je me suis assis avec une feuille, puis il fallait que je sorte les plus beaux mots que je connaissais, hey, salaison, puis tout ça, man. Bang! J'ai tout cassé ça. Là, je vendais des saucisses. J'étais comme un bon dealer de drogue. Fallait que quelqu'un te présente à moi pour que je t'en vende. Parce que là, imagine, je faisais de la saucisse qui n'existait pas. Le monde n'avait jamais vu ça, la saucisse fromage en grain. Jamais tant de tabarnak. Tu le vendais directement de chez toi, genre? Mais là, c'est ça. Je vendais ça. Chez le monde, c'était comme, t'attends que tu vois. J'étais pété, là. J'étais peut-être même en petite dépression, ou je ne sais pas. Fait que je faisais de la saucisse quand ça me tentait. Puis la saucisse n'existait pas. Je la mettais sur Facebook. Puis je disais, bon, jeudi, je suis à Montréal. Nanana. Puis là, le monde m'écrivait. Puis là, tu sais, il fallait pas trop que ça sache d'underground. Puis j'avais comme pris un gros break là, d'un an. J'avais fait du snow, genre 40 quelques fois. Puis 40 quelques fois de bateau. Puis j'avais pas de bateau. Fait que là, je me suis fait présenter chez des riches, à un des gros bombardiers. Ouais, ouais. Genre, ben lui, c'est lui. Ben lui, c'est Philippe. Il fait des saucisses quand ça y tente. C'était ça, tu sais. Puis là, à un moment donné, quand j'avais plus d'argent, je disais, hey, là, faut que la compagnie lève. Tu sais, ça va faire. Fait que là, j'ai levé la compagnie, puis quand j'ai levé l'avion, là, les fouettes passaient. Puis... Fait que c'était ça. C'était... Facebook commençait, là, c'était la folie. Là. Le monde voyait la drogue. Là. Ah! Puis tu sais, j'en veux, ça n'existe pas nulle part. Le gars, il est fou, il fait ça, il en vend pas trop. L'espèce de sentiment d'urgence, de genre la j'ai bâti ça avec la rareté. Ouais, c'est ça qui s'est passé. T'as comme créé une demande en amenant ça hot, même si personne n'a besoin de saucisse pour survivre. Ouais, c'est comme de la dope, là. C'était de la dope. Le côté spécial, là. Le débile avec la barbe et les cheveux grisonnants, il y avait tout ça. Puis là, je pourrais te parler de toutes les saucisses qu'on a faites, là. J'en ai fait une dernièrement, là, même 10 ans. Puis tu sais, une business, c'est comme un couple, tu sais, dans la chambre à coucher, il faut que tu te déguises. Non. Hey, moi, 10 ans, là, les saucisses, tabarnak, il faut t'impressionner ta gang, là. Là, on a craqué là, pour le Super Bowl avec le retour des chip Ruffles au fucking PFK. On a fait une saucisse au poulet frit Kentucky avec les Ruffles. Incroyable. T'as acheté, mon gars, pendant une semaine, des barils de 55 piastres. Le baril, tout défaire ça avec la peau, avec, écoute bien ça, la petite salade de choux, la sauce, les frites, les chip Ruffles, puis un de mes employés, mon livreur, mon chum, il dit, moi, j'ai travaillé là, puis quand il faisait la sauce, il mettait le fond de la friteuse, une petite shot, tu sais. Ben, tabarnak! Le fond de la friteuse, dans chaque 20 kilos, on fait des portions de 20 kilos. C'est des productions artisanales, c'est petit. On met une scoop de mais ça, t'en as parlé de ça, là. La friteuse, c'est écœurant! Ouais, je sais, mais t'en as parlé de ça. Moi, c'est ça qui m'avait... C'est à ce moment-là que je me suis dit, faut que j'invite Philippe, parce qu'il est allé à 98,5. Je sais pas si tu t'en souviens, là, c'est quoi? C'est, il y a comme, ben, justement, au Super Bowl. T'étais allé à 98,5, t'as été reçu par... Fernandez, ouais. Hey, ça, c'était, hein? Ouais, t'es allé là, mon gars, puis t'étais en feu ben raide, là, je t'entendais, parce que moi, j'écoute souvent 98.5. Tout arrive, mon gars, c'était un vent de fraîcheur qui débarque dans le studio, man. Oh, ça va vite dans ma tête, des fois, là. Ben, ouais. Non, mais pour vrai, moi, je suis sous le charme, littéralement. Je me sens comme, je suis ton fils, je t'écoute. Ouais, mais là, je vais prendre un break. Mais moi, je trouvais ça fou, parce que la façon dont tu l'expliquais, j'en ai pas que t'aies... Tu suis là avec Guy Liberté, c'est ton pote, tu travailles avec lui, puis t'as fait. Hey man! Hey, ben oui, ce gars, il est pas ça, mais allez faire. Hey, m'en allez faire les années, là. Puis moi. Mais tu l'as avec Guy Liberté, écoute bien, je vais t'en compter une anecdote. C'est ça, je t'ai dit! Je vais te compter une anecdote, écoute ça. Party de Guy Liberté dans la montagne à Saint-Bruno. Moi, je viens de Saint-Basile, c'est connu. Fait qu'à un moment donné, on est jeune, estique, c'est dans le temps les plus gros parties. Fait que mon chum, il dit, hey, mon frère, tu sais, il travaille là-bas, il y a les plus belles mannequins du monde, les pilotes. Je suis plus nous autres, Chris, on est dans un appartement de Cambrai, on boit de la bière, les trois queues, là. Je dis, man, appelle ton frère qu'il nous fasse rentrer. Il dit, Chris, t'es-tu fou, on peut pas aller là, tu sais. Fait que son frère, ça marche pas, bien entendu, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, je connais la montagne comme ma poche. On a fait les parties là-dedans, la nuit. Sneak in. Man, on se met un suit, des goggles de ski, là, du snowboard,
Puis là, j'ai dit, on allume rien, on parle pas, man. Puis ouais, on s'en va, le plan, c'était, on spot sa maison sur le bord du lac. Puis je dis, crime, à quoi t'es rendu là? On enlève notre soute, là, tu sais, là, puis on est rentré, puis je saute dans le spa, moi, tu sais, là, c'était ça le plan. Fait que c'est que mon gars, on est rendu à 80 pieds. Man, puis là, il y a la musique, là, tu sais, là, là, personne nous entend, là. Hey, là, mais je suis comme, puis là, man, pouf, la sécurité, il y a une lumière qui apparaît. Ah ouais, que des gars de l'armée. Ah, ils sont pas loin, on les a. Man, les gars de l'armée. Hey, man, on s'est fait sortir de là. J'ai pas parlé pendant 24 heures. Ils nous ont crissé dehors, là, les limousines passaient. Je disais, hey, moi, je suis pas allé là. C'est comme, l'année d'après, je suis là, mais je suis barman. Je suis barman dans la maison, puis écoute, après ça, plus tard, ben là, c'est ça. Après ça, j'ai été Chris invité, puis après ça, tu sais, à cause de l'auberge, tout ça, Marc Bollet, puis les gars, puis Garou, puis. Fait que c'était. Fait que j'ai commencé par me faire sacrer dehors jeune, j'étais barman là, puis après ça, j'étais invité. Puis c'est les plus belles choses de party que tu peux avoir vues dans la vie, c'était oui, c'est là, clair, là. Puis toutes les histoires, là, c'est pas vrai, là, tu sais, à un moment donné, là, il y a tellement de monde que, tu sais, c'est ça, c'est beau, là. De quoi? Qu'est-ce que tu veux de quoi? Non, mais là, t'amènes toi-même un potentiel problème. Puis non, mais c'est tout pas vrai si on dit de quoi qu'il parle. Non, mais tu sais, on se comprend, là, whatever. Là. Ouais, mais ouais. C'est féerique, puis écoute, là, moi, la bouffe là-bas, là, tous mes chums avec qui j'ai travaillé, puis moi, je vendais mes saucisses. Ah oui, c'est les premiers contrats qui m'ont. Qui mais m'ont pris. T'as-tu vendu des saucisses à qui la liberté? Ben, Chris, oui! Dans les premières F1, pendant plusieurs années, j'ai fait des saucisses, puis Guy aimait le poulet Saint-Hubert. Fait que j'avais fait une affaire poulet, Guy, man, avec la. Mon petit chum, Guy. Oh, ouais, Guy il aimait le poulet, j'avais fait ça. Puis, il l'avait en espace. Non. 0-0. 0-0. Les saucisses en espace. 0-0. Mais en tout cas, fait que. Non, c'est que Stéphane Moda, il était chef là-bas, là, qui était chef au Château Frontenac à Québec, là, le chef du clan. Je suis pas assez hâte pour connaître les noms que tu nommes depuis tantôt. Là. Mais toi, attends, là. Toi, j'ai appelé mon chum Francis pour dire, là, Mathieu Daudet, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie, là, tu sais. Mais ça a l'air que t'aimes bien les restes. Là. T'es pas allé voir chez Daniel Boulu pis tout ça? Hey, chez Daniel Boulu, je l'ai vu chez Guy. C'est le shit, là. C'est tellement weird, man. C'est pas vrai? C'est vrai. Mais je suis comme, dude, tu commences à... Tu connais tout le monde. J'ai pas fait tes recherches. Il arrive, bang. Daniel Boulu, j'avais donné... Quand tu démarres une compagnie, t'as rien, là. Fait que là, c'est les enfants. Bon, là, j'avais ma carte, là. J'étais actif, j'ai plus jamais de carte, je m'en fous. Mais là, quand t'es au début, t'es content. Là. C'est comme si tu montrais quelque chose, tu sais. Fait que là, il y a Daniel Boulu. Accomplissement, là. Daniel Boulu, il arrive. Ah, salut! Puis là, Marc Bollet, mon partner de l'auberge, est là. Fait que là, je tends la carte à Daniel Boulu. Le Marc, je le vois un peu, tourner les yeux. On m'a dit, Chris, tu sais, voyons donc, là. Le Daniel Boulu. Ben oui, les enfants du bord, nanana. Parce que parce qu'il y a beaucoup de Français, des meilleurs charcutiers du monde qui travaillent à New York. Puis le chef charcutier de Daniel Boulu, ben, c'est Aurélien Dufour, c'est un de mes chums. Fait que c'est à cause de ça qu'il connaissait. Mais ça a été un de mes grands moments de vie. Mais tu vois, c'est stylé, on dirait, ça, c'est une vérité qu'il faut vraiment jamais prendre à la légère, les contacts, man. Les contacts, là, puis d'être chill avec tout le monde, même, ça amène de quoi? J'étais connu pour toujours avoir un million de contacts avant de faire des affaires de télé. Là. Tu sais, quand tu fais la télé, tous les contacts, tout le monde est au rendez-vous quand ça va bien. T'es super fin, t'es full énergique. Tu, quand tu vas quelque part, j'ose croire, jamais de quoi, mais je pense que tu te fais marquer. J'avance pas. Mais je pense que tu te fais marquer. Il y en a qui t'aiment pas, hein? Ah, parce que t'es trop loud. Je suis pété, là. Mais non, mais c'est pour ça. Tu vas jamais travailler avec eux. Anyway, grave. Moi, quand tu me vois dans ma face, là, je m'en crisse, là. Mais c'est qui le premier? Tu sais, t'avais plein de contacts. Tu travailles avec des gros gars. C'est qui le premier ben plein qui a fait? C'est des hosties de bonnes saucisses. Je vais t'aider, man. Il y a souvent quelqu'un qui a investi avec toi? Non. Là, François Forêt, un de mes amis qui avait comme un moment donné 10 bars à Montréal. Quand le projet fallait qu'il lève, là, puis que j'avais pignon sur rue, je suis allé le chercher, tu sais. Fait que... Tu as dit? Je dis là, mec, j'ai des bonnes saucisses, aide-moi, là. Tu sais, à un moment donné, en business, il faut que tu connaisses tes forces, mais il faut surtout que tu connaisses tes défauts, tes points faibles. Puis ces points faibles-là, il faut tes patchs en crise, là, tu sais. Fait qu'à un moment donné... C'est quoi ton point faible, selon toi? C'était les constructions, tout faire... Après ça, les affaires de bureau, là, mon gars. Ah, la paperasse. Impossible. Tu sais, ben... À un moment donné, ça prend. Je suis allé au HEC, là, j'ai appris deux choses. Là. La première, là, c'est engage-toi un Chris de bon comptable. Puis la deuxième, c'est comme. Puis c'est une idée marketing, là, éclate-la, puis ça va y aller. Là, ben, en tout cas, fait que j'ai pas mal de points faibles, mais j'ai plein de monde dans l'entreprise avec qui on travaille, qui vont patcher ça. Sinon, je vais y aller en consultation. Comme chez nous, mettons les ressources humaines. T'sais, moi, Chris, je connais pas toutes les lois du travail, ça change. Il y en a des nouvelles, il y en a comme 200. J'ai une consultante en ressources humaines, c'est je respecte ça. Là, elle vient toute gérer. Si je suis pas sûr, 30?
Fait qu'elle, elle vient gérer ça, là, dès que tu comprends. Là. C'est comme si j'engageais un avocat pour, pour regarder des petits papiers. Sous-traitance, man, pour ce que t'es pas capable de faire toi-même tout seul. Exact. Mais quand tu commençais, justement, là, tu faisais ça chez vous, dans ta propre cuisine? Hey man, je fais là, celle-là, je manquais de cash un peu, là, tu sais, je m'étais coulé douce, là. Puis je m'étais dit, tu ne jamais ça de ta vie, là, après. Tu dis ça, c'est je savais que ça allait marcher, calice. Ça depuis tantôt. Hey, je manquais de cash. Non, mais il y a un point qui est bon, là. Je savais que ça allait marcher. Ouais. Ça, c'est fucked up. Quand tu sais que, ça, que tu tiens quelque chose qui va éventuellement marcher, même si ça lève pas dès le début. Ben, tu penses pas que. Je sais pas, il y a les deux bouts du spectrum, là. Ça arrive des fois que. Ça va marcher, mais t'es un peu dans la balloune, puis tu te trompes, là. Tu que ah non, non, non. Non, mais il y a un feeling qui est vraiment plus sincère, là, de comme. Je sais que ça va marcher. Tu sais, mettons, quand je suis allé à OD, moi, je sais que ça allait marcher. Je sais pas pourquoi. Je pensais pas gagner, mais je pensais pas perdre, tu sais. Mais je pensais pas, comme, me rendre. Ça, c'est plus du hasard. Il arrivera, s'il arrivera, puis tu sais pas à qui tu t'embarques. Tandis que lui, il y a une lui, il y a des contacts, une chute. Sa bouffe est bonne, il y a moyen que les gens sachent que sa bouffe est bonne, tu sais. Moi, dans le fond, je suis sorti, là. Tu sais, je suis parti de l'auberge, puis il est arrivé de quoi dans ma vie. Là, j'étais comme un peu frustré. J'ai pris ce gaz-là de marde, puis je l'ai poussé, puis j'ai dit. C'était quoi, je vais partir de ma compagnie. Je peux pas en parler. Je vais partir de ma compagnie de saucisses, puis je vais faire de la télé. C'est ça que j'ai dit à mon mentor. Mon mentor, il dit « Ah, ouais ». Puis là, j'arrêtais plus de faire du snowboard puis du bateau. Puis là, il me disait « Arrête de faire du snowboard, Chris, travaille ». Puis là, quand je t'ai levé, ben, il dit « C'est un comptable agréé, mon mentor ». Puis quand ça a levé, là, il dit « Man, il compte sur moi ». Il dit « Philippe, il m'a dit ça, ça ». Ah, c'est ça. C'est là qu'il m'avait dit, là, mon esti d'hippie, là, « Arrête de fumer du pot, faut que tu vendes 1 million par année ». Fait que là, il dit « Philippe, il a dit qu'il allait faire de la télé, la compagnie ». Puis vendre 1 million, puis fuck, je l'ai fait. Fait qu'il dit, tant que tu le fais, je vais toujours t'aider gratuitement, tu sais. Oh, que, shit, okay, c'est quelqu'un nice. Je veux pas décevoir, le Paolo. T'as arrêté de faire du snow ou? Non. Non, non, puis c'est pour ça aussi que j'aime ça faire du snowboard, je veux pas vendre des épiceries. Non, mais je veux pas, tu sais, me mettre comme. J'aurais pu, là, avoir 100 employés, puis tu sais, vivre dans des meetings. Ben, c'est comme tu disais au début, là, tu veux garder ça artisanal, tu veux garder ça. Tu veux garder ce qui a créé la business. Il y a moyen d'avoir le revenu, le budget qui va venir avec être dans une épicerie, mais à ton compte, selon tes. Ah, c'est tout compliqué. C'est vraiment tout compliqué, mais moi, je suis heureux, là, comme je suis là. Ah, t'as pas besoin de plus, ben. Mais tu sais, je comprends qu'à un moment donné, il y a un cap que t'es comme. Au-dessus de ça. À un moment donné, Guy La Liberté, il est à l'espace. Alors, mais moi, je suis bien ici, là, tu sais. Tant que j'ai du gaz dans mon char, et nous, je me promène pas. C'est comme toi, là, t'es un peu le même aussi, là. Moi, je dépasse tellement rien. Moi, je suis tellement simple, là. Mais ouais, je suis pas assez haute pour être à côté de toi, mon gars. Ça, non, là, ouais, ça n'a pas rapport. Là, on parle, ça. Mais c'est chacun son tour, là. Là, je vais finir. Non, mais c'est même pas une question de c'est chacun son tour, c'est juste qu'on discute, là. Mais moi, on jase, puis moi, je trouve ça méga intéressant. Là. Moi, parler de moi, c'est ce qui me gosse le plus, de toute façon. Fait que... Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le côté business d'un gars qui est quand même bohème, là, comme t'es, là. T'es bohème en esti, là. Pour un gars qui est business puis qui a réussi de même, je trouve ça inspirant pour des gars comme moi, tu sais. Hey, quand j'étais barman, moi, dans le temps, pas au Sainte-Élisabeth à Montréal. Arrête donc. Ah, oh, man, pendant 7 ans. Il devait tellement être bon, là. Hey, oh, je pétais des verres dans les murs, j'étais reconnu pour être fou raide, là. Ah, oh, j'étais une légende, les clients t'adoraient puis le staff te détestait? Ils détestaient pas parce que le niveau de travail dans ce temps-là était très élevé. Moi, j'étais tellement passionné. C'est moi qui. Ils me disaient que j'étais comme le chef de gang de rue là-bas. Puis. Moi, fallait que tout ça s'accroche. Tu sais, quand je travaille, là, c'est le fun de triper, là, mais Chris, quand tu travailles, il faut que ça soit s'accroche. Sinon, tu feras jamais revue. Tu sais, fait que je suis un peu pété de même. Fait que là-bas, c'était comme militaire. Mais Chris, on faisait de l'argent en esti dans ce temps-là. C'était des belles années, là. Ouais, puis, avant, hey, avant tout, là, ce avant que tu l'élèves, toutes ces histoires-là. Ouais. Hey, mon gars, yahoo! De même, aussi. Puis à l'université, j'allais à HEC, je me réveillais le matin, je coulais des cours, je m'en crissais dessus. On était riches, là, tu sais. On travaillait, hey, mon gars, 3 jours/semaine. Pow! Tu sais. Mais je sais plus ce que j'allais dire. Je sais pas, man. Je te disais que t'étais bohème, je sais pas comment t'avais fait. Fait que l'université. M'a aidé. Le... Ben, c'est vrai, c'est une bonne question. Parce que comment tu vas avoir une rigueur? T'sais, fait que j'étais party, mais j'étudiais. Je me disais, Chris, là, faut t'étudier. Là, fait que je faisais les deux. C'est rare que je vois quelqu'un aussi intense ou plus que Matt. T'es comme un oxymore ambulant. Genre, t'es comme une contradiction. T'es comme, je m'explosais, j'étudiais full. C'est comme, tu dormais pas, là? Et la poudre était moins chère à ce moment-là. C'était fou, genre. Ah non, non, c'est comment c'est tu faisais pour. Années. Moi, je me vois pas faire. Le Red Bull était pas en canette. Il était en petit pot en vite, là. Ah ouais, ouais. Parce que pour vrai, ça. Chris, tu devais avoir genre début vingtaine, t'avais full le gaz. Ah, puis... j'étais fou là, dans ce temps-là. Mais tu sais, j'imagine, en... Chris, c'est quoi, 44, t'as dit tantôt? 45. 45, t'as de l'énergie de même. Ouais. Imagine à 22, 23. Que, là, t'es comme, ah non, c'était fou. Là. T'es le gars sur 1000 que t'es comme, je vais le faire, moi. T'es comme, mais c'est super stupide, tu vas pas être capable. Je vais le faire, moi, je suis capable. Aïe, méchante histoire. Ouais. Hey, by the way, Philippe, là.
Ah, si bol. Je me fais pas demander ça tous les jours. C'est mon vrai nom, F-E, accent aigu, L-I-P-E, accent aigu, c'est mon passeport sur tout. J'étais supposé de m'appeler Félix, mais là, mon père, il voulait pas que j'allais me faire niaiser Félix le chat. Fait que là, ma mère voulait m'appeler... Elle voulait m'appeler Philippe, mais là, ma mère, elle dit, il y a personne qui dit P-H-I-L-L-I. Fait qu'elle a écrit F-E, accent aigu, L-I-P-E. Fait que là, man... Là, imagine-moi Saint-Basile, Philippe. J'explique ça à tous les premiers jours d'école. Tout le monde, tout le monde riait. Mais t'es câble. Là, c'était mon... Mon père vient de Rimouski. Parce que t'as quand même une tête de gars qui pourrait être genre Philippe et Philippe. Moi, je trouve que je viens de Colombie. Philippe! Moi, je trouve dans la grecque. Je ressemble à un modèle cheap qu'ils ont fait là, de toute plein de nationalités. Le gars, hey, je te connais, toi. On dirait que tu fais des gyros. Ouais, on dirait, ça pourrait. J'aime tellement ça, des gyros. En plus, j'ai rêve d'avoir une machine à shistaouk dans ma table de chevet avec une épée. Ça y est, man, il va se passer une business. Mais tu peux faire ça. Mais là, moi, je veux savoir, t'as des boutiques un peu partout au Québec? Ouais. Il n'y a pas vos jeux, là, sacrément. Tout est nommé. Ils en fument du bon. On va sur Google, là, si. Saint-Basile, Boucherville, Carignan, Laval, Blainville, Terrebonne, Joliette, Bromont, Sainte-Élisabeth-de-Warwick, Trois-Rivières, Québec. Chris, c'est sûr, j'en ai oublié un à quelque part. Tu en as nommé genre 11, là. Ça va quand même bien, là. Ouais. T'en as combien? Ça va bien, mais il faut travailler, là. Hey, c'est pas facile, une business, là, de ce temps-là. Faut payer son snow. Surtout que moi, ce que je trouve impressionnant, Kim, j'imagine que t'as plus que juste des saucisses. Ouais, ouais, stock, ouais. On vend des bières de microbrasserie, les vins, les sites du Québec. Dans la boutique, non, mais, tu sais, le cheval de guerre, c'est pas mal ça. C'est les saucisses, ensuite les crotons, les rillettes. Après ça, t'as des à côté. La lasagne, c'est comme tomber dans l'enfer de la drogue. Parce que quand tu fais de la saucisse, il reste toujours un peu de chair. Tu fais la sauce spaghetti qu'on fait maison. Ensuite de ça, on fait une lasagne avec deux étages de fromage en grains. C'est l'esti d'enfer. T'aimes vraiment le fromage en grains. C'est meilleur que celle à ta mère. Puis écoute, on a fait comme pendant la pandémie. Puis Chris, on est pogné de faire ça l'été tout le temps. Là. Le monde, on peut plus l'enlever. Parce que c'est commencé, puis là, tu peux plus l'enlever. Ouais, comme la saucisse à griser. Phil Grisé, le magasin Empire. Salut mon frère. Phil Grisé, tu connais Phil Grisé aussi? Tabarnak. Dans le show télé, que j'avais un show à Zest. C'était le Pimp de la saucisse. Aussi, fait qu'ils ont filmé les débuts de la compagnie. Non, c'était Pimp ma saucisse. Le Pimp de la saucisse. Ouais, sur Zest. C'était ça, mon boy. Fait que là, c'était le start-up de ma compagnie. Ils filment du bon, le Pimp de la saucisse. Il participe pas, sinon, il est pas un peu sketch. Fait que là, écoute ça. Là, Grisé, lui, les gars de skate, ça mange du Kraft Dinner tout le temps, tu sais. Fait que. On a fait de la saucisse Kraft Dinner. Fait que là, j'étais allé faire une saucisse Kraft Dinner. Ah oui. En rajoutant la poudre orange, puis toute une histoire. On a servi ça à Lamborghini au sommet. À Saint-Bruno. Ça sonne tellement comme bouffe de buzzé, là. C'est Chris, c'était une blague, tu sais. Puis ça fait 10 ans que j'en fais deux fois semaine. Je peux plus l'enlever comme du menu forever. Mais c'est un bon problème. Je me fais faire ma poudre orange. Ça coûte très cher. De la poudre de lait, là, c'est très cher des poches. Ah, de la poudre, ça coûte cher. 200-300$. Ah, la poudre de lait, c'est plus cher. L'orange, c'est plus cher. Non, un corps, c'est plus que. Non, mais un gros sac, là, je te dis, c'est comme 300$. Mais là, t'en fous, évidemment, tu pourrais mettre ça dans tous les GA. Tu sais pas les. Non! T'as pas envie, tu veux rien savoir. J'ai zéro envie de vendre dans les IGA pour pas nommer, puis tous ces supermarchés-là. Puis pour moi, ça va. Mais c'est quoi la raison numéro un? Je te l'ai dit tantôt, t'écoutais pas. Ben, je t'écoutais, mais c'est parce que t'en as dit le style des affaires de tout à l'heure. Si t'es punk rock, t'es NoFX, tu peux pas jouer à c'est quoi? C'est quoi NoFX? NoFX, c'est un groupe de musique à l'époque. Dans le fond, c'est. En gros, tu veux rester underground. What? Tu veux rester underground. Y a-tu un côté policier? Je veux rester plus libre. Tu veux pas devenir commercial. Tu veux garder ton petit côté, la rareté. Parce que, tu sais, les gens, ils pensent juste à l'argent. Ah, va vendre là, gnagnag, vends-en au Costco. C'est très chiant. Ben, là, le niveau de stress augmente. Il n'y a rien de facile. Calvaire, si c'était facile, tout le monde le ferait. Là, vendre des tartes aux crises de. Faut que tu fasses 10 fois plus de production, imagine, ouais. Faut ça, tu sais, c'est long à expliquer, puis je pense pas le monde il s'en fout là, de ça, mais c'est des permis, puis c'est compliqué, puis c'est pas juste ça, c'est que la pression, elle vient de plus en plus grande, tu sais, puis moi, à un moment donné, je faisais de la saucisse, là, en écoutant du reggae, là, je voulais pas aller dans l'espace, là. Ah ouais, mais en même temps, j'imagine quand le monde comprend pas, parce qu'il travaille pas là-dedans. Au gros volume aussi, tu veux pas, t'as moins de... T'as moins l'œil sur la qualité aussi. Oui, en plus, mais aussi, t'as plus de heat, là, tu sais. S'il se passe des problèmes. Ah, s'il y a un fuck, t'es fucked. Ouais, tu sais, comme je t'ai dit, y a pas de secret. Puis à un moment donné, tu peux pas faire un nombre de 20 000 saucisses semaine, puis que ça soit aussi bon que quand j'ai mangé dans mon char. La journée que le monde dit c'est plus pareil, man, je meurs. Ouais. Ça vaut pas le prix de faire ce move-là. Ouais, exact. Oh, c'est cool. Et puis toi, il y en a qui le feront, puis tant mieux, whatever, je m'en fous. Toi, streamer puis devenir excusé, ça changerait-tu de quoi pour toi? Parce que là, à la base, là, guys, là, je veux juste vous dire, à la base, là, OK? Gars de saucisse, gars de stream Twitch. C'est quoi ce Twitch? Twitch, c'est ce qui est en ce moment live. Là. Twitch, c'est comme une plateforme sur laquelle tu fais du streaming live, peu importe ce que tu veux faire. Divertissement en ligne, en temps réel. Tu fais ce que tu veux avec ça, c'est juste...
Il y a une connexion. Tu joues à des jeux. Tu peux jouer à des jeux. Avec tu peux chiller. Tu peux faire des saucisses. Tu pourrais faire des saucisses. Tu pourrais littéralement ça filmer. Ça y est, ça vient de l'allumer. Tu pourrais, pendant que tu fais des saucisses. Là, non, mais check, là, tu vois pas. C'est ça, que là. Pourrais tu tournes la. Hey, ton code saucisse, t'étais cute, hein? Non, mais. Ouais, pas de code à soir, hein? Si on parlait pas assez fort, c'est correct. Mais réellement. Non, je pense qu'on est good. Pourrais tu. C'est du divertissement en ligne, tu peux tout faire. Il n'y a pas de limite. Tu sais, moi, quand je suis allé au Maison Boulue, j'étais allé on stream. Allez jouer avec du monde, je sais pas. Là, mais tu joues tout nu l'autre bord, là, ça. Peut-être. Ben, c'est ça. Non, mais pas grave. C'est allé au party de Guy la Liberté. Non, lui, il te voit toi, et toi, tu vois pas sa bite, là. C'est fine, là. Non, mais tu peux faire tout. Tu fais tout, c'est malade. Qu'est-ce que tu fais, toi, là-dessus? Tu joues de la guimbarde? C'est quoi la guimbarde? Qu'est-ce que tu fais là-dessus? Qu'est-ce qui se passe? T'es sûr que t'as juste 45 ans, là? T'as abandonné. Check. Moi, ce que je fais, là... Sorry, là, je suis méchant, là, c'est mon tour de parler, ta gueule. Vas-y, je t'écoute, je te questionne. Check. Là, j'ai comme une pression. Là, le gars, il se baignait style l'été avec Guy Liberté. Je peux pas coter ça. Tu peux pas, ouais, c'est ça. Mais tu l'as avec Julie. Ouais, tu l'as avec Julie, une fois. I guess. Le croisé. OK, je suis allé manger Julie Snyder. Trois fois, par contre, c'est vrai. Ah ouais, vas-y, qu'est-ce que t'allais dire? Le stream, c'est juste, c'est ça, peu importe, je veux savoir, peu importe ce que t'as envie de faire, ce que tu trouves cool, toi, il y a assurément des gens sur la Terre qui vont enjoy ton buzz, puis comprendre ta vibe, puis enjoy ce que tu fais. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, ce que je fais, là, moi, je suis un dude qui a 1000 passions, mais je suis très lazy. Fait que le stream, c'est parfait pour moi. Moi, j'adore gamer, j'adore bien manger, j'aime beaucoup voyager, mais ça fait 3 ans que j'ai pas bougé de mon ordi, parce que je suis tout le temps focusé à juste tout le temps dans live. J'étais un peu mongol. Moi, avant, j'étais comme toi, j'étais barman. Mon plan, c'est d'investir dans des restaurants, travailler dans 100 heures, en ouvrir un autre un an plus tard. Puis à 32, je suis millionnaire, mais je suis brûlé à vie, genre. Ça, c'est mon plan. J'étais allé à OD, j'ai pris du soleil, j'ai arrêté de travailler, je faisais juste comme frencher des filles. Ben, juste une, mettons. Là. Malheureusement. Le plan, c'est mal passé. C'était plusieurs filles au début, mais une. Puis là, je suis fiancé. Le plan, là, c'était de faire ça. Finalement, j'ai comme fait, wow, c'est plate en asti, tout le temps être prisonnier, d'avoir des clients, puis tout. Même si c'était une full belle job, j'ai un peu comme toi, j'ai burn-out. Puis après, j'ai juste comme parti un stream, j'étais en live, je trippais là-dessus quand j'étais plus jeune. Juste connecter du monde, le monde qui écrit dans le chat sont hilarants. Il y a des gens qui sont hilarants uniquement par texte. Tu pourrais être. Il y a une communauté vraiment que t'aimerais, toi, je pense. Mais c'est. Tu crées ta propre commu, ton propre environnement. T'attires les gens qui sont comme toi. Mais attends que tu dis que t'aimes la bouffe, tu cuisines? Moi, je cuisine dans le temps, je suis rendu. Je prends les îles, là, pour elle. Lui, ça va dans un resto, des fois, il amène son stock, il s'assoit dans le resto, il goûte en live. Moi, j'adore me faire servir, puis promouvoir l'expérience. OK, fait que. Tu vois, exemple, pour te donner un exemple, moi, puis lui, on se fait. On appelle ça les Adamettes, pour Matt Pellerin, Matt P, là, whatever. Puis on s'en va juste faire les top 10 de whatever, des tacos, des sous-marins, des choses. On peut appeler ça une job. On s'en va quelque part, on rentre. Ça nous prend 8 heures de notre journée. On se fait bullshitter par les propriétaires des restaurants qui veulent pas qu'on filme. On rencontre des crackheads. La dernière fois où on est allé, on a bu beaucoup de mètres. Il y a un gars qui crie dans la rue. Partout ici, moi je surveille ton char! Partout ici, moi je surveille ton char! Là, on se parle pas ici. Il dit, come on! Un mètre comme moi, là! Come on! 10 pieds, je te le fais! Là, oh, ça, c'est des beaux moments. Ça, c'est que... centre-sud, là, à Montréal. Ouais, on ressemble à ça, ouais, exactement. Je connais ça, là. Mais ça, j'ai vendu de la saucisse, pas mal. C'est notre job, tu vois. Moi, c'est ma vie. Il y a une journée, je fais ça avec lui. Après, je prends ça, je mets ça sur YouTube. Il y a un revenu qui se crée là-dessus. Le lendemain, je fais quand même autre chose. Je game toute la journée. Du coup, mettons, exemple, là, une journée qu'on s'en va à Damette puis qu'on s'en va se crisser genre, avec toi, là, puis faire des saucisses la journée. Là, hey, ça serait mon rêve. Ça serait incroyable. Non, mais si, mettons. Moi, avec toi, comme avec ton assis d'énergie. Vous deux, ensemble. Non, mais moi, je te paierais pour que tout le monde va faire les saucisses. Puis là, t'es comme, crisse ça là-dedans. Là, tiens le tube. Ah! Mais là, moi, je fais les shows de boucan. Sur mon petit TikTok, mon Facebook, mon Instagram, c'est dans mon Lobster Shack à Saint-Basile. Puis je voulais t'inviter, toi, avec Manny. Manny, ouais, a déjà dit oui. Un Lobster Shack. Ah, j'ai pris mon cabanon, là, je suis rentré là-dedans. C'est là. Puis, j'ai pas une grosse maison, là. C'est une petite maison de banlieue, un petit terrain. Mais puis, c'est un esti de musée. Là. Selon Manny m'a dit c'est le cabanon, là, j'ai regardé ça, puis je dis, Chris, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a toute la merde que tu n'utilises jamais, là, qui s'est entreposée là. J'ai tout viré ça, puis j'ai fait une cuisine, un bar, puis c'est mes affaires de poisson. T'as un bar dans chacune pièce, là. Ouais, j'ai une friteuse. J'ai un bar dans j'ai une grosse, j'ai une friteuse, j'ai une plaque induction, mon gars, j'ai tout plein de patentes, là, tu sais. Puis là, je reçois du monde là, puis ils cuisinent avec mes saucisses, à leur façon, comment est-ce qu'ils cuisinent les saucisses et les enfants du bar. Tu fais des TikTok avec ça? Ouais, puis ça marche bien. Mais ça, puis des spots aussi sur TikTok. Mais des lui-même. Le spot à Philippe. Oh, il est allumé, n'est-ce pas? Man, j'étais allé chez Papa Jackie. Papa Jackie. Papa Jackie. Oh, hey, toi, je suis fan de tes stories asiatiques.
bouffe parce que ta copine est asiatique. Hey, non, c'est le rêve. La sienne, les beaux-parents. Hey, mon gars, ça, là, moi, là, je regarde ça, là, je fesse dans les murs. Là. Tu sais, la chance... qu'est-ce qu'il y a? Les stories non, mais la chance de manger de la bouffe de d'autres pays par des pros. Oui. Ça se passe. Là. Quand j'ai fait l'école hôtelière, c'était ça là, que j'avais bien aimé. Là. Mais tu veux, nous autres, moi, ce que j'avais comme idée, comme concept qui pourrait être cool, ça serait justement de se faire un genre de... T'as trois façons d'aller manger. Exemple, un pho, une soupe tonkinoise. Pho, traditionnel chez quelqu'un dans une famille. On pourrait aller chez quelqu'un. Versus dans un restaurant qui est bien coté, mais pas cher. Puis celui haut de gamme qui est vraiment cher. Puis juste tester, voir. Vraiment... Toi, tu fais énormément de stories aussi. Tu fais beaucoup de reels avec... toi, t'aimerais ça en Chris. Il fait des reels en esti sur plein de... Les bons spots à Philippe, c'est ça? Les spots à Philippe. That's it, that's all. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Moi, je les vois tout le temps. C'est cool à faire, là. Tu peux te saouler, c'est voice-over. Tu peux te saouler, péter, man. Oh, ouais. Je fais les voix quand je suis top shape le lendemain matin. Puis, man, je bouffe, le monde capote. T'sais, moi, j'aime ça manger. Puis là, je vais même des fois geler. Un bon pâte aussi, là. Puis, mon gars, j'éclate ça, là, les plats, là. Frappe, frappe, frappe. Ouais, j'aime ça. C'est ma vie, les restaurants. Partout où je vais, à chaque restaurant du Québec, je connais quelqu'un. Là. Quelqu'un vient me voir, puis man, c'est parti. Je vais visiter la cuisine. Non, mais c'est tellement... C'est ma vie. Mais vous autres, vous avez... Quand t'es pas chum, puis tu te rends quelque part, tu vas jamais vivre l'expérience au maximum parce que t'as l'air coincé du cul, puis personne va vouloir te parler. Ils vont pas te servir, ils vont pas t'expliquer c'est quoi la patente. Quand t'arrives comme un crackhead, lui, là, il a l'air de triper sur mon plat spécial que je réserve juste aux gens cool. Il amène ça, tu vois la cuisine, le chef te parle, t'es craqué, t'as plein de souvenirs, t'as plein d'idées, tu reviens chez vous, t'as eu un bon moment. C'est bien différent que Sylvain qui est comme, si tu te calisses, tu m'en allais manger au resto, puis c'était même pas bon. Tu comprends, je veux dire, aller au resto, c'est la vie quand tu te permets justement de te laisser découvrir, puis d'être mal avec les gens qui sont là, tu sais. Ben, il y a aussi un avantage quand que moindrement t'es Philippe ou t'es Mathieu Pellerin, tu sais, dans le sens où le monde te connaît d'avance. Fait que tu sais, ils vont te montrer la cuisine. Ouais. Ça, c'est des choses qui font peur qu'un client random, là, puis c'est normal. Mais tu sais, comme mettons, au Théophile, tu vas-tu être là jeudi prochain? Ben oui, Aline. Ouais, c'est ça. Mais... C'est-tu le 2 ans, Alexis? Ouais, c'est le 2 ans. C'est là qu'on s'était vu, dans le fond. Ouais, il y a ça. 2 ans. C'est il y a exactement 1 an. Chris, on va aller fêter ça. Ben moi, je suis déjà là. Ah non. C'est tellement un bon buzz. Excuse-moi, je veux dire, c'est tellement une belle soirée là-bas. Ah, Chris, oui, man. Non, mais là-bas, tu t'en vas te fendre la tête, là. Mais il y a Robin. Il y a Robin que j'adore. La tête, wow! Non, mais c'est ce qu'il. Tu veux même pas être là, puis il te saoule. C'est comme. Ah ouais, non, mais c'est le même. C'est le même, c'est pas ça. Moi, tu faisais une affaire à mon bar dans le temps, là. Chris, ta sacoche, t'as viré à l'envers, là. C'était fini. Tu venais prendre un verre, man. Chris, je te faisais flouber tes REER. Fuck, là. Tu convainquais que c'était une bonne idée, en plus. Dans le temps, tu pouvais fumer. J'avais un verre à martini vide, là. Je mettais 3-4 cigarettes dedans avec un truc, je mettais ça là. Là, bon, hein, c'est gratuit. Ben oui, t'as d'arnaque. J'arrive même un petit poisson rouge dans un bol. Un autre petit de poisson. Ouais. Ça y est, c'était pas une carte. Ça prend le... Mais c'est ça. Ouais. Quand t'es bien reçu, tout ça, il faut que la musique, il faut que la senteur, il faut que le décor, tout. Quand tout ça est là, le client, il pète les plombs. Est-ce que t'as déjà pensé investir dans un bar? Écoute, avant de démarrer les enfumes du bon, moi, j'étais connu pour les bars. Je me faisais approcher. Tu travaillais là-dedans. Jusqu'au COVID, je me suis toujours fait approcher à chaque semaine pour avoir des parts dans un bar. J'avais envie, puis dans un restaurant. T'étais à l'auberge Saint-Gabriel. Mais après, je suis parti de là. Fait que là, je dis, Chris, j'ouvre ça un pub ou ben non, je démarre les enfumes du bon, c'est ça. Là, c'est Jacques Demont, qui était le président de Nespresso Canada, un Suisse, le Mongol, avec les jaws. Ce gars-là a tous les contacts les plus genres. Il m'avait dit, il dit, Philippe, m'a appelé, là, un matin, Philippe. Il m'avait dit, tu sais, ton Chris de pub, tu vas comme 50-60 ans dans ton pub. Il dit, voyons donc, elle parle les saucisses, bababababam. Puis tu le feras après, ton Chris de pub. Ça, c'est là, on revient, puis je veux finir là-dessus. Quand il y a eu le COVID, mais j'étais-tu content de pas en avoir un bar ou un restaurant, là, avec tout ce qui se passe? On regrettait le bar, les gars. Là, maintenant, ça me regrette. Là, un pub, là, un pub, oui. Un restaurant, non. Je me suis dit, la journée que tu ouvres un restaurant, il faut que tu sois riche. Parce que tu perds de l'argent. Tu peux pas être là 7 jours sur 7. Puis c'est tough. Là, si tu veux que ton restaurant il roule, il faut que le boss soit là. Il faut qu'il saoule. Là, Chris, faut que tu te saoules tous les soirs. Tu sais, tu vas à un restaurant à Philippe, il est là ou il est pas là. C'est pas la même affaire, là, ouais. Fait que je voulais pas, moi, être prisonnier là-dedans. Moi, les charcuteries, là, après, tu sais, c'est très tôt le matin. Moi, je suis un gars, un morning man. T'es un morning man? Oh, man, dude, là, 4, 5 heures, 6 heures, tasse-toi, je suis levé, c'est parti. Puis même la production, c'est tôt. La charcuterie, ça finit tôt. Est-ce que c'est aussi pire que la boulangerie, mettons? Non, ça, c'est ça. C'est les frais fous, là, ouais.
Des vrais fous. Alors, là, c'est 3-4 heures. Deux heures et demie, trois heures. Ils sont en train de faire des wake-up. T'sais, t'as pas de vie, là. Mais je voulais t'inviter ça par rapport à un autre Adamette. Mais ça, j'aimerais ça qu'on ait fait une vidéo là-bas. Parce que là, j'ai les Français en haut, puis ils commencent à me dire. Mais moi, je trouve ça fucking hot parce que tu fais juste faire. Je tripe là-dessus, je fais ça. Ça, c'est le fond, puis t'étudies, puis bang. C'était comme. Tu t'es donné cette vidéo-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortiennent d'aller faire les moves parce qu'ils sont comme. Toi, t'arrêtes pas de dire. J'avais pas de ça. Moi, il y a une affaire, je vais vous dire. La visualisation, c'est vrai. Ça, là, moi, je visualise, man, ça marche. De toutes les affaires, là, man. Moi, je suis des chicks, n'importe quoi, là. C'est ça qui était dans le style, mais je suis quand quand je te dis, je suis parti de l'auberge, j'ai dit ça à deux personnes. Mais Sam, puis une autre personne, je me crisse. Je vais avoir mon show de télé, je vais avoir ma compagnie, Quand tu crois, pour vrai, fondamentalement, c'est fucked up. Et elles en filment du bon. Quand j'étais au HSC, ils m'avaient appris à faire un plan d'affaires, tout ça. Puis tu mets tes objectifs. Court terme, moyen terme, long terme. Moins d'un an, 3-5 ans, puis nanana. Puis au niveau de l'entreprise, là, je m'étais tout écrit ça. Là, quand ça part, le vélo, il se met à rouler. Là, à un moment donné, Chris, t'as les pieds chaque barre. Mais tu sais, là, Chris, le cahier, tu le collais sur le bout de tes bras, le plan d'affaires dans le cul. Man, là, tu sais, c'est la vraie vie, ça roule. Puis bon, j'ai retrouvé mon esti de plan d'affaires, peut-être 3 ans, là, 4 ans après. Tu vas me dire que ça ressemble à ça. Tout, c'est tout ça. Au niveau des employés, je vais avoir tant d'employés, papa, la croissance, les revenus. Man, j'étais comme. Wow! Lui, il a peur, là. Il croit pas. Hey, pis, moi, j'ai jamais vu des ovnis, pis des conneries de même, là, pis des esprits. Là, pis, hey, à l'auberge, ils viennent du monde entier pour en voir. Hey, je suis parti de là tellement crevé, j'aurais pu leur parler, là, partir avec eux autres. Chris, j'ai rien vu de ça, mais la visualisation dans la vie. Mais c'est ça autre marche. Chose. C'est, tu te crains, puis j'ose croire que. Moi, c'est, mon motto, c'est fake it until you make it. Pis, c'est un peu similaire, moi, c'est juste que même si je sais que ça va être tough, je vais quand même me craquer, ça va se passer pareil. Pis, j'ai l'impression que dans ma tête, le tiers de la job est fait. Avant que je le fasse, mettons, là, c'est comme si je me crains, puis ça va bien aller, même c'est si ça, c'est la catastrophique, puis que je suis peut-être pas le meilleur pour ça. Tu voulais y aller, t'es allé, t'as gagné, t'as frenchéfé, t'as gagné, là, c'est malade, là, tu sais, je veux dire. Sinon, mais ça, c'est pas. Sinon, non, mais tu l'as visualisé. C'est pas tu t'es dit, je vais faire de la télé, Chris, c'est pas arrivé. C'est pas t'es dit ça ou aller au petit poisson des genoux. Non, moi, je voulais. Mais moi, j'étais BS, je voulais aller en Afrique, je trouvais ça trippant aller en Afrique. La chance d'aller là-bas. Non, mais moi, c'est comme. Je me suis pogné dans le détour que c'était. Tout le monde là-bas, ça a donné. C'était tous des gens qui se mettaient un masque. Puis c'est correct, quand tu fais la télé, il y a du monde qui se met un masque. Sauf que moi, j'ai catché après que c'était comme, ils ont tout un plan. Ils étaient comme, moi, je suis venu ici, je veux promouvoir ça, ça. Là, j'étais là, t'avais pas de plan. Moi, j'étais là, vous voulez pas venir ici pour vous baigner, genre? Ou j'étais comme, Chris, les filles sont chaudes, là, il fait chaud, tout est chaud. C'est moi, j'ai peur de cette affaire-là. Ils m'ont un Big Brother, ils m'ont un, deux, trois. J'ai pas envie d'aller là. Mais t'es pas obligé, si t'as pas envie, vas-y pas. Non, mais c'est payant. Moi, je me suis racheté une coupe de caille, mon gars. Ce sera 5000 la... semaines. Ouais. Chris, j'aurais gagné des prix. Mais comment t'appelles ça? La saison. La chose pour mettre les saucisses dedans. C'est un poussoir. Non, non, mais. La canule? Ouais. C'est ça? Mais non, mais l'affaire que tu disais que ça coûte 1400 là, pour deux bacs. Les capsules, justement, les. La peau naturelle, là, je sais pas. Ah! Les chaudières, les boyaux, je sais, c'est des boyaux! C'est des boyaux, là. Un baril, c'est 6000. J'aurais eu un baril semaine. Mais c'est quoi tu disais? C'est quoi tu disais? Un boyau naturel? Ouais, un boyau de porc. L'enveloppe d'une saucisse, tu as un intestin? Ouais, ouais, laver, nettoyer, tout ça, puis plus que ça s'approche des fesses. Parce qu'il y en a une saucisse que, comme tu crois dedans, puis avant même que ça goûte bon, la texture est à chier, on dirait que tu manges dans du plastique. Il y a beaucoup de qualité, puis c'est comme les voitures. À un moment donné, nous, on vend, mettons, des Mercedes, puis tu sais, il y a du monde qui vend des Camry, puis des trucs. C'est des... Tu vois, y aller à Québec, là, mais c'est pas pareil, tu sais. Puis moi, Ulysse, au-delà que ces esprits de saucisse étaient bonnes, ce que j'ai trouvé, puis j'étais barman à l'époque, puis j'étais tannant, puis ma digestion était assez fragile. Je trouvais qu'il était facile à digérer parce que stick, y a pas de, on met pas de gluten dedans. On met pas de. Tu lis les ingrédients, là, Chris, t'es mieux d'aller dans un rave là, que manger ça, là, style. À un moment donné, il faut faire des choix. Là. Tu vas au rave ou ben non, tu manges. Stick, c'est bon! Puis nous, une saucisse, c'est de la viande, c'est du porc du Québec. Il vient pas, Chris, je sais pas quel pays tu veux. Il vient du Québec. Ici, Montérégie, c'est du boyau naturel, c'est du porc, c'est du sel, pas beaucoup. C'est du poivre, puis après, c'est plein d'ingrédients, puis des ingrédients du Québec. Tous nos fromages viennent soit des laiteries de Charlevoix, Sainte-Élisabeth de Warwick. En tout cas, je peux t'en parler toute la journée. Mais là, est-ce que je peux officiellement m'inviter? Je peux-tu te forcer à m'inviter pour aller faire les saucisses? Ça a l'air tellement cool. Vous allez faire la saucisse chez nous. Lui, il est bien poilu, le tout ici. Là. Moi, il ne faut pas que ça tombe aussi dans mes saucisses. Ouais, je... c'est mon labo à Montréal, c'est très sévère. Je vais vous inviter, on va en faire. Tu veux que je te donne des ordres, là? Tu vas voir. Ça va être chez vous. C'est à côté, à Saint-Bas, c'est le beach. Un bat mandatoire avant de rentrer, genre? Tu rentres pas dans ma pièce si t'es pas explosé, mais let's go! Non, tu vas voir. On va rentrer sur AMD.
Oh, non, wow. Je parle des saucisses. C'est ça, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke, c'est une joke. Les affaires, Chris, si je me réveille en Chine, voyons donc. Ah non, c'est sûr. Non, en plus, Philippe, ouais, j'avoue. Mais le monde, il aime ça. Je le sais, j'en connais. Ils font ça, man. De la MD? Pouf, je sais pas trop. Moi, j'ai jamais fait ça. Toi, tu fais quoi, toi? Moi, je fume. Toi, tu fumes, hein? Tu fumes. J'adore me mettre chaud. C'est tellement le fun. Du moche. J'avais fait ça à Noël. Yo, ça, c'est bon. Tu sais, le gars, ils avaient dit, t'as plus le droit de rien faire à Noël. Saucisse? Santé festif. Saucisse? Non, non, c'est ça, moche. Non, je Il parle fort, c'est bon. Il crie, mon gars, j'aime ça. Je l'avais enlevé. Toi, t'es le genre de gars que quand tu parles à du monde quelque part, là, pis il y a du monde à l'arrière dans une pièce, ils se disent, oui, il parle tout seul, le gars. Je sors un peu. Je sors un peu, fait que je parle fort. T'es sûr? Ouais, mon père le plus, là. Ah ouais? C'est-tu que c'est bon, man? Non, mais en tout cas, je savais que ça allait donner de quoi de bon. Je savais qu'elle allait avoir aussi des liens à, par rapport à la cuisine. Parce que je sais que toi, tu tripes sa cuisine. Lui aussi. Je vais aller voir vos trucs, là. C'est ça, vous faites deux trucs complètement différents, mais qui se rejoignent. Ce qui arrive, c'est que moi, je ferais mille fois plus d'affaires avec lui. Mais il est tout le temps occupé, sur quand tu vois ses stories dans un festival, il est invité à un événement, faut qu'il ait testé quelque tu chose. Fais du rap, j'ai vu ça passer. Ça, c'est fucké, ça. C'est fucké, ça, là. Ah oui. Tabarnak. Ah, puis je m'en bats. On arrête de chanter 20 crises de fou. Il a commencé depuis un bout, là, ça fait genre 3-4 ans. Je fais deux ans, là, je fais du rap. Non, j'ai ça pourrait. Ça, ça doit être le feeling, ça doit être malade. C'est une scène, j'ai de la misère à dormir après ça, là. Non, zéro, zéro, je dors comme. Mais moi, je me torche, c'est ça mon problème. Ben, c'est pas un problème, moi, après, j'adore ça, avant, mais ça a l'air que c'est un problème dans la société. Tu montes sur scène un peu... T'es un nerveux, tout le buzz, là. Eh, hey, big, moi, j'ai pas... T'es un nerveux, t'es un nerveux. Sinon, tabarnak, donne-moi une serviette humide, si je me mets en petite boule puis je fais une crise d'anxiété. C'est ça, stressé. Faut que tu me donnes une mousse, là, quelque chose, là. Faut que je sois chaud, là. Parce que, je t'ai déjà vu quelque part... Ah non, c'est quoi, donc? Même quand avant de passer son stream, j'ai aussi stream, tu sais, on est pas tous riches comme toi, faut travailler. Puis il passe son stream, il fallait une petite broue avant de commencer. Je vais arrêter. Je vais boire ça, man. Excuse. T'aimes pas tant ça, hein? Eh, c'est fucké. Mais j'ai rien d'autre, man. Non, c'est correct, c'est la chose, je trouve. Faut que je le dise. Moi, je l'aime bien, moi, la petite course originale est correcte. J'avais pas ça, c'est mieux. Mais c'est une belle soif, là, tu sais. C'est pas. Ça, c'est pas boire 1000, on dirait. Moi, je pense que c'est un gars de avec mon 12 à la journée longue. C'est ça, je ferais avec des courses. Je parlais qu'ils sont encore pleines. Ah, j'aimais ça. Orange, hein, il explique qu'il redneck. Il s'est fait décapotable. C'est bon, ça. Lui, il était écœurant. Ça recrise de chanson, Joanne est bonne. Elle est bonne en j'ai braillé le clip est bon, man. J'avais le une histoire de quelque chose qui s'est arrivé, puis j'ai braillé sa chanson deux, trois fois. Après ça, c'était ça. Mais Chris, comment ça, t'as découvert que je faisais de la musique? T'as découvert ça de où? Ben, les stories, là. Mané, je t'ai vu sauter comme un singe sur un stage, à la place des arts. J'ai dit, Chris, t'as peu, là. C'est le gars de l'autre jour, c'est là, là. Lui qui est Arcadio, là, dans ma tête, là. Arcadio. Non, non, mais j'ai vu ça. Puis il y a même une chanson, je pense que j'aimais, mais je m'en souviens plus. Tu sais, puis j'ai pas refait la ça recherche. Ça devait pas être défoncé, en tout cas. Mais c'est flyé, puis bravo, parce que. Merci, Big. Merci, j'apprécie. Faut que ça te tente, là. Tu sais, là. Ben, moi, j'adore ça. C'est une passion. C'est le même principe que c'est, toi, c'est faire des saucisses. Ça prend les couilles, moi, là, faire ça. Moi, je me verrais pas aller sauter pour faire le fin final. En même temps, moi, je suis envieux de lui. Ça a l'air tellement cool. Les gens, ils capotent ce que tu fais. T'es un one-man guy. Ben, des fois, G7 est là, là. Mais tu sais. G7, c'est une légende aussi. C'est mon autre boy, là. Les gars sont là sur scène, ils chantent, puis les gens, ils restent, puis ils aiment ça. Je trouve ça écœurant. Moi, sans pression. Là. Moi, Saint-Bruno, là, Saint-Basile, ouais, sans ouais, SP, ouais. Kaminga. Man, il était là, secondaire. Lui. Il est dans mon album de finissant. J'ai une petite anecdote. Sa mère, elle venait nous. Moi, je sortais tout le temps à Montréal. Moi, 15 ans, j'avais des fausses catch à la barre, je faisais de l'argent, des photos. Elle au loft, une shit. À 17 ans, je restais en appart, salut. Hey, le monde, ça arrive sud, il sortait, là, tu sais, là, il allait coucher chez les filles, là, chez Capitaine, là, tu sais, dans la maison Saint-Bruno, le beau-père, là, qui courait en bobette bleue la nuit. Hey, moi, j'étais à Montréal, là, j'avais du fun, là. Mais qu'est-ce que j'allais dire avec ça? Je sais pas, mais c'est déjà bon, man. Vas-y, continue. Qu'est-ce que j'allais raconter? Continue, Philippe, ah, je continue, lance pas. J'ai figé dans le temps, c'est plus. C'est que je suis content. Hey, mais t'allais juste vraiment loin avec Esprit. Ah, t'avais une anecdote avec Esprit. Fait que j'étais toujours au métro Longueuil à chercher un lift, tu sais. Fait que là, évidemment. Esprit, il dit, hey, embarque, ma mère, elle va nous conduire avec T-Kid. Oh, wow. Tu connais T-Kid? Ben oui, c'était pas ça son nom avant, là, au secondaire. Je vais pas le répéter, mais on va dire T-Kid. Fait que les deux étaient dans l'auto, puis là, Esprit me dit, hey, ben, c'est moi, c'est mon Ben qui chante, tu sais, mais ma mère, elle sait pas. Fait que là, sa mère a chauffé, tu sais, puis il chantait. Puis quand les bouts étaient un peu nasty, ben c'est le son. Puis il y avait l'Agora Rock polyvalente à Saint-Bruno. C'était tous des groupes de métal dans ce temps-là. Puis SP, c'était comme le seul hip-hop, tu sais. Puis là, il y avait un micro avec un fil. Il chantait en rond, puis il s'était fait un nœud parce qu'il était nerveux, tu sais. Puis moi, j'aimais ça. On était comme moi, grisé, puis une poignée là, qui aimait le rap, tu sais. Mais t'aimes le rap? Ah hein? Ouais, le vieux rap des années 90, là, moi. Toi, t'es un bon boom-bap guy, là. Ouais, j'aime bien ça. J'aime ça. J'ai tout à la musique dans mon char quand je travaille, puis chez nous.
Fait que, tu sais, faut. Quand on va venir, faire des saucisses, là, c'est sûr qu'il va avoir du beat. Tu parlais beaucoup de reggae, par contre. T'as mentionné beaucoup le reggae, en fait. Ouais, j'aime ça aussi. T'aimes le vibe smooth en faisant en cuisinage. Ouais. Puis du dépasse aussi, des trucs de même, là. Dans le fond, t'aimes la musique. Ouais. Mais je suis pas comme. Je vais pas parler de ça, puis des groupes, puis ça. Je suis pas, non. Je vais voir des shows, mais tu sais. T'es pas cultivé nécessairement dans ce milieu-là. Ligne, là, tu sais, pour aller boire de la bière, les toilettes bleues, puis toutes ces affaires, les foules, j'aime pas ça. Ah non, hein? Non. Tu pourras avoir les passes VIP. Il me semble que je te verrais en esti au Club Soda, mettons. Oh, man! Il me semble que je t'imagine dans un crowd de même, non? Ouf! Surtout les pop, tu sais. Souvent, live, des fois, c'est pas bon, là. C'est bon. Ça, par contre, je peux c'est une bonne... Je peux me vanter en live. J'en ai une bonne histoire, je vais te me rappeler. Ah, vas-y. Mes amis de Saint-Basile, tu sais, moi j'ai mes amis de maternelle, primaire, secondaire, on est ici serrés. Fait que là, tu sais, on n'a pas la même vie des fois. Là, fait que là, c'est qu'ils me disent, hey, on s'en va voir Rage Against the Machine au fuck à Québec, tu sais. Fait que là, pendant un an, là, des estimes de messages, textos de groupe, là, tu sais, là, c'est la soirée de leur vie, là, les petits maudits. Fait que là, mon chum Rico, il dit, bon, je m'en viens te chercher samedi matin à 8h le matin. Tabarnak. Rage Against, c'est pas à 10h le soir. Il dit oui, mais il dit, on n'est pas sûr de rentrer. Je dis quoi? Les 100 000 messages de calice, de troupes, que tu me dis qu'on va peut-être finir à Québec d'un chansonnier, là, dans le vieux Québec. Là. Fait que là, il dit oui, tu sais. Fait que il y a un line-up, tout ça. Tu sais, à cause des passes. Je sais pas si vous comprenez non, ce que je jamais dis. Allé là. Mais au fait que si tu es faut que tu arrives en premier. Là. C'est comme si que moi, j'ai compris, allé, c'est qu'il y a des passes normales, puis ça se peut que tu arrives le samedi, puis c'est plein, fait que ta passe normale ne marche plus. Non. Hey, d'où je suis angoissé. Ouais. Moi, je fais pas des line-up, des affaires de même. Fait que je me mets une annonce Facebook, j'appelle le bon chum du carnaval de Québec. Bon, ça y est, Guy La Liberté débarque en hélicoptère. J'appelle puis tout le monde, ça marche pas. Ça marche pas. Mais la force de la restauration, mon domaine, l'hôtellerie, j'ai un ami qui m'appelle. Il dit, Normand, d'autres, j'ai une passe pour toi. Hein? Oui. Il dit, tu vas voir le hookup, c'est la galette libanaise. J'étais, salut la galette libanaise à Québec, mon gars. C'est eux qui ont eu une passe VIP. Man, c'est que, ouais, ben, c'était wow. Là, mais la galette, c'est bon en plus, moi. Ouais, man, c'était bon. Justement, elle est là, c'est quoi ça? C'est juste en fait l'atelier. Tu te fends, tu t'es explosé, c'est tu bon? Sors. C'est vraiment bon. C'est la seule affaire qui illumine quand tu sors. Encore une fois, tu sais, je te l'ai dit tantôt, les autres pays, les nationalités, quand t'arrives avec de la bouffe, man, c'est bon, c'est malade. Mais c'est ça le secret. Je trouve ça tellement le fun, la bouffe. Mais les voyages. Coûte pas cher. Tu fais dans ta gueule, t'es comme. Damn, c'est tellement bon, c'est bien épicé. Ah ouais, moi j'aime ça, j'étais malade là, tu sais, j'étais allé en Égypte là, puis tu veux manger le vrai truc là, tu sais. Tu veux pas. Qu'est-ce que tu étais malade? Ah, ben, oh, parce que t'as testé des shit puis ben, tu vas manger dans la rue en Égypte là. Mais donc, vite de même, t'as-tu quelque chose qui t'a fasciné qu'il y a ça ici, mais que original on the spot, ça t'a méga surpris genre. Comme immense différence genre. Comment, dis-moi ça, là, j'écoutais. Mettons quelque chose, mettons exemple. Un taco. Un chichitao. Un chichitao, exact. Là, t'arrives, c'est-tu direct au Liban, t'en pognes un, puis là, t'es comme, oh, wow, OK, c'est écoute, différent, là, t'as peu, là, c'est pas pareil. Moi, c'est, là. Ça va être, ben, il y a au Japon, là, des trucs au Japon, ah, mais au Japon, man, en Grèce, tu sais, tu vas manger des fruits de mer en Grèce. Ah, ouais. Tu reviens au 10-30, sacrément, c'est ordinaire. Ouais, Lucius, là. Il dit, c'est frais! Ta gueule, c'est! Ouais, c'est ça qui est plate, c'est quand tu sais pas que tu miss out. La pieuvre là, qui est séchée sur une chaise, sa terrasse, c'est des affaires là, d'un pays comme moi, ça me fait capoter. Là. Hey, au Portugal, c'est mais pas cher. Que... Je mangeais tellement que j'allais l'après-midi au restaurant de la Marina. Je mangeais juste le poisson, pas les riz, les cochonneries alentour. Puis, tu sais, je retournais au restaurant comme avec mes amis après. T'sais. C'est tellement. Moi, c'est les poissons, les fruits noirs, les fruits, les légumes. Tu vas manger, ça goûte pas pareil. Parlant de. L'Italie. L'Italie, big, ça a l'air d'être. T'es jamais allé en plus? Jamais allé, big. Je suis italien, je suis jamais allé. Moi, je veux rien là-bas, je stream tout le long. Moi, ça on me fait de la peine. Je commence à être. En dedans, je commence à en sentir Suisse, qu'il y a un trou. Manger de la fondue en Suisse, là, dans les hautes alpages. Ma soeur avec les est vaches, en Suisse en plus, cloches, je peux y aller là. Anytime. Là. Hey, tu mais. Ah, fuck, je m'en allais dire quelque chose, je me souviens plus. Faudrait juste aller là. Ah, en hiver, non, mais je voulais en fait. Savoir, parce que tu parles beaucoup de fruits de mer, de poissons. Y a-tu des saucisses que tu peux faire aux fruits de mer ou ça marche pas par ben rapport oui. au fait que. Ça marche au bout, tu vas le comprendre tout de suite. Le porc, la crevette. C'est-tu des trucs asiatiques qui t'allument? Ouais, ou ouais. Ben, genre dim sum, là. Ah, crée, c'est connu. Je mangeais là à midi, maison Kam Fung. Ah, Kam Fung! Let's go! Hey, Vic, avoue que c'est hot. Juste le service, c'est, quand... c'est juste ça, le c'est midi, expérience. Hein. Faut pas t'aller là le soir. Le midi, ah, le je capote le là-dessus. Le matin, midi. On a fait un... Là, écoute, j'arrive là-bas, puis tu sais, t'es pas asiate, là, t'es de la merde, là, tu sais. Là, moi, je suis québécois, j'arrive là. Man, puis je suis toujours dans un restaurant reçu, mon gars, ça accroche. J'arrive sauf là-bas, là. Man. Ça accroche, j'ai ignoré. Moi, c'est comme si le party à Guy, là. J'ai tabarnak, c'est pas vrai, man. Est-ce. Fait que je débarquais là une journée, man, avec 20 paquets de saucisses. Ah, j'ai tabarnak, vous allez voir non, ça. Non, man, non, les non. Les filles, les buggés, man. What?
tout le monde est arrivé, blablabla, je les ai toutes données. Après, on a fait un TikTok. Mon TikTok a pété 400 000. Non, non, attends, wow. T'es arrivé avec des saucisses au Kampfung, toi. Je t'ai dit, ils vont se rappeler de moi. Je suis déjà rentré. En tout cas, je veux pas te compter. Non, mais ça a marché, là. Ils ont pris, là. Ils ont pris, ils ont capoté. Ils ont reconnu tout de suite la qualité à l'œil. Et puis, quand je suis retourné après, j'ai eu des fucking cadeaux, man, à la maison Kampfung. Non. Là, attends, là, j'ai fait un TikTok avec mon chum Francis Desrosiers, que je salue. Francis qui filme, fait montage, tout le kit. Estic, on a fait un TikTok, ça a pété 400 000. Là, je suis retourné là. Là, ils ont vu. Là, le monde dit hey, lui, nanana, tu sais. Puis moi, je vais là tout seul, je suis pressé. Tu sais, aujourd'hui, je m'en allais livrer une grosse commande de saucisses à Bromont, mes partners, Edgar. Puis, je t'ai arrêté là, man. J'avais 15 minutes. Je voulais les soumailles. Je voulais l'autre. Les soumailles, bro. Soumailles. Puis là, je l'écris à mon téléphone. Je le prononce en chinois. C'est ça, avec les crevettes, là, ou. Ben, écris soumailles, c'est porc crevette. Champignons, un peu de carottes. Il y a le chou dans. Il y a le porc avec crevette dans un chou, qui est le soumail. Mais ça, c'est incroyable. Mais il y a l'autre, là. C'est dans une genre de j'ai jamais compris ce que c'était. Steam, mais là? Ouais, c'est comme Steam. Mais c'est du porc avec un peu de carottes, avec il y a des crevettes bon, là-dedans. C'est un genre de dumpling, genre, ça, là? C'est pas un dumpling, mais c'est les dim sum, là. C'est dim sum, là. C'est un déjeuner chinois, man. Il faudrait que, je t'amène, man. Je te l'ai déjà dit, je voulais t'amener là. T'es jamais allé là? C'est parce que c'était si là, chaque fois qu'on veut chiller, il est quand on fait ça, là, je l'écris. T'es libre quand? Laisse-moi regarder. Écoute, là, il baisse ses lunettes, puis là, il check. Là, demain, il est demain, comme, demain. Let's go, demain. Dude. Mais là, Mathieu, là, regarde, fuck lui, appelle-moi au pire. Mathieu, faut dire que ça dans ta vie, le calvaire. Là. Tu t'en vas à Brassard, Maison Kampfung, juste le midi. Sinon, il y en a un autre faut à Montréal. Faut y aller avec quelqu'un qui a des heures de vol. C'est quoi des heures de vol? C'est quelqu'un qui a commandé toutes les astuces d'affaires. Parce qu'il y en a que c'est pas bon. Fait que Chris, c'est moins populaire pour nous. Bon, c'est... Fait qu'il y en a que c'est pas bon, tu recommandes plus jamais ça. Des fois, tu te trompes. Ben, si tu viens avec moi ou Adamo, ben, nous, on s'est déjà trompé. Fait qu'on va juste prendre les bons. On le sait, c'est quel demain, hein? On pointe ça de même. Ben, c'est parce qu'il arrive avec un carrosse. Oh, là, il y a tout. Ah, là, ouais. Là, évidemment, elle te le dit genre, quand tu fais un jeu, là, toi, tu comprends rien. T'es comme, tu fais juste ça. Là, elle va te montrer c'est quoi. Puis là, tu vas prendre, OK, ouais, je vais prendre ça. On dirait que tu viens d'écrire mon ami coréen. Il y a genre 1000 affaires que j'ai commandées là souvent, puis c'était dégueulasse. Non, mais il y a des c'était le meilleur poulet frit que j'ai mangé avec lui. Il parade avec leur petit buggy. Là. Puis là, hey, t'as l'air d'un gars qui cherche la poudre. Là. Mon gars, moi, j'arrive là, je fais des signes. Là, tu sais. La madame, man. La boule au crabe. Là. La boule avec une pince de crabe, ça, c'est-tu pas fou? La petite sauce sucrée là-dedans. Là. Oh my god. L'expérience là-bas, Maison Kampfung, allez-y le midi. C'est selon moi le best. Pourquoi tu dis le midi, c'est plus frais? Parce que le soir, t'as pas le service des petits buggy. Le service classique. Le soir, c'est à la carte. Fait que c'est comme si t'allais un peu, tu sais, pas n'importe où, mais c'est vraiment pas l'expérience. Puis des dim sum, il y en a partout dans le monde, tu vois, n'importe où, le Toronto, je sais pas quoi. Mais il y en a un à Montréal, puis perso, je le trouve moins bon que à Brossard. À Brossard, il est vraiment Kung Fu, là. Moi, j'allais là, même midi en stream. Je te dis, big, au pire, je vais y aller avec toi, là. Alors, non, mais demain, t'es occupé. Non, demain, je suis pas occupé, là. Demain, je vais m'arranger, me pointer, man. Je suis occupé demain. C'est Dave. Mais c'est ce qui est cool, c'est que ce qui marche le plus sur mon stream, quand on est en live, c'est quand je suis pas devant mon ordi. C'est quand on est quelque part. C'est quand on se promène. Parce que les gens, moi ce que j'aime, ils vivent une expérience. Moi ce que j'aime comme regarder, c'est quand il y a de l'inconnu pour la personne qui filme aussi. Ça c'est malade. Quand ils vont qui check des gens, quelqu'un est à côté de lui, puis t'es comme, tu wack là, le tatacam, puis t'es comme, tu parles au monde, parce que tu fais exprès, parce que tu veux te trouver drôle. Puis il y a des interactions incroyables. On a jasé une fille un moment donné, là. Ah non. Dernière fois on est allé, elle sortait d'une. D'une chimio, je pense. Une chimio quelconque, elle s'était fait radier, elle s'était radioactivée. Il donne une genre de médication après, qui est comme un speed. Pour te juicer, genre. Pour te juicer après ta chimio. Puis elle nous a radonné ça pendant. On l'a juste pogné pendant son moment de speed après chimio. C'était fucked up en fait. À ses dépens, c'est filmé, puis j'ai ça dans mon cœur à jamais. C'était un des plus moments les plus divertissants. Moi, j'essaie d'être full fan avec elle, à l'amour dans sa tête. Je suis le même, je me filme, je suis là, Adamo est là. À l'amour, dans ses yeux, c'est juste la haine. Il est comme. Pas de la haine, c'est juste comme, hey man, je veux. Genre. On a 5 minutes, on n'a plus de batterie, il n'y a plus rien, man. En tout cas, il n'y avait plus rien qui marchait. Mais ça, il faut falloir. Moi, on est pour le vivre. Sûr que, faut que vraiment un stream, c'est comme la télé, mais juste improvisé. Fait que tout le bout que t'es pogné dans le cul, il est pas là. Malade, bro. Parce que la télé, c'est comme. Ah ouais. Tu fais des shit, tu reprends maquillage, le monde il filme, c'est pincé du cul. Même s'il y a des gens qui sont fucking forts en télé, tu ris. Tu sais, pis c'est pas drôle, là. Chris, c'est ça, là. Non, mais la télé, c'est la télé, en fait.
Oui, j'ai eu 4 shows. J'ai eu 2 shows à Zest, 2 shows à Évasion. Évasion, c'était Chilo Québec avec Philippe. Je faisais le tour du Québec. J'allais visiter les restaurants puis des artisans. Puis pourquoi t'as arrêté? C'est-tu une question de... Non, ça n'a pas été renouvelé. Quand, à un moment donné, Zest, non, mais Zest et Évasion a été vendu à TVA. Ah, c'est vrai. Fait que là... ça fait un bout de ça, là. Oui, oui, exact. Ça fait un bout. Fait que c'est avant le COVID. Fait que ça a été vendu. Puis là, le switch avec TVA, il m'avait proposé de faire saison 3 de Chilo Québec, mais en 2 mois. Parce que souvent, la télé a close des crédits d'impôt. Ils veulent que ça soit rapide. Moi, avec mon entreprise, je peux pas tourner, mettons, un mois ou deux intensif. Parce que si... Oui, d'être juste là avec eux autres. Ma priorité, c'est de m'accompagner. Porter des saucisses à Brobon. La balle arrive vite, mon gars. Ah, c'est pas ouais. Temps d'aller porter des saucisses. Non, mais c'est gérer tous les problèmes, les histoires. Fait que... Fait que c'est ça, là. Après ça, fait qu'ils ont, ils ont dit non. Fait qu'ils ont dit, oh, OK. Ils ont dit, on va checker au printemps. Là, au printemps, c'était le COVID, au mois de mars. Ouh, fait que là, ça n'a pas relevé. Puis, tu sais, les deux que étés que j'ai fait ça, moi, au début, c'était, on filmait à mon travail. C'était une demi-heure, c'était pas une heure. T'sais. Fait que c'était une journée de 12 heures et non 2 journées. Là, Chilo Québec, c'était plus à mon travail, c'était partout au Québec, puis c'était une heure. C'est... Fait que c'était 2 jours de tournage de 12 heures. Ça fait de la job, puis là, tu t'en vas au Saguenay pour Chris, t'arrives... C'est parti full longtemps. Sors de route, t'as pas fait une crise de joke. Puis là, quand t'es à télé, ben là, tu te fais engager au Festival de la Truite, si ça, t'es tellement bien payé, tu y vas. Fait que, man, ces deux étés-là, je travaillais comme si je me devais le cul, mon gars, là, tu sais, comme... Puis là, quand je reviens... Moi, il faut que j'aille à la job, là, t'sais, tu sais. Tu virais fou, là, le travail. Quand ils prennent une heure de pause, parce qu'ils prennent leur crise d'heure de pause, les caméramans, tout ça. Toi, pendant cette heure-là, j'étais au téléphone, non-stop. Fait que, ouais, tu sais, la troisième été, ça me tentait à moitié, la vérité, tu sais. Je savais, c'est comme aller au camp de jour, là, tu sais. Ah, c'est cool, un courant. C'est payant, c'est le fun, ouais, là, mais... Puis tout le monde, ils savent pas c'est quoi. Fait que, ah, ouais, tu sais, ils pensent que... Fait que la troisième été, j'étais comme, ah, ça me tente à moitié. Je l'ai pas eu. Puis c'est là que ma passion, les coilles, le jardinage, bien conifères, tout ça, j'aime bien ça. Attends, c'est bon, là que... Quoi, c'était... What? Quelle autre passion? Que ces sapins. Les conifères. Les coilles. Coilles puis conifères. Des arbres, des sapins. J'ai un pin, un style sylvestre avec des pompons. Là. Ouais, ouais, là. T'as-tu vu mon bonsaï en rentrant? Non. J'étais au téléphone, mais. Tout le monde j'aime bien ça. Puis genre, je vais aller le voir. Absolument. Une petite bière que t'aimes pas, là? Oui. S'il vous plaît. Ah, je vous ai une délicieuse. Délicieuse. Prête? Vas-y. 1, 2, 3. Ah, peux-tu y donner? J'ai envie de la grab d'une main, genre. Thank you. Thank you, sir. OK, mais là, toi, là, OK, bon, là, on a fait le tour en asti de Philippe. Là. Non, on peut continuer. On peut continuer, Philippe. Mais genre, moi, je veux savoir, par surtout exemple... Surtout que moi, ce que je trouve plate, c'est que, tu sais, vu que moi, je suis tout le temps stream, là, en ce moment, là, what's up, gang, je pense qu'on est en live en ce moment. Tu sais, moi, on dirait que je me sens comme à la maison. Fait que le fait que toi, tu sois là, je trouve ça écœurant. Moi, quand j'ai la visite. Ben, moi, je trouve ça tellement pas. Moi, je sors jamais de chez nous. Moi, je veux juste tout le temps stream. Puis, mais... j'ai réussi à pogner une fille qui trouve ça cool parce que. Ben, qui trouve ça cool. Dit exactement ce que je voulais. Elle accepte. Puis, si je trippe. Elle est contente pour moi, fait qu'elle me laisse faire mon délire un peu. Là, parce que je suis en live de 10 à 12 heures par jour. Là, tu travailles, mettons, là, tu te filmes, mettons, dans une pièce, puis ta blonde, elle est dans la maison, puis elle fait d'autres choses. Exact. Oh, excuse. Les murs seront jamais assez larges. Moi, je gueule tout le temps. Il n'y a rien qui se passe. Puis moi, je suis comme... Ah! En tout cas, moi, c'est parce que tout est drôle quand on est en gang. C'est comme un gros salon. Là. Imagine, mettons, que live, toute la journée, là, on joue ensemble, on joue à des jeux, on check des shit. On sort dehors, on va manger, on a du fun. C'est électrisant, genre, littéralement. Là. Ça, c'est ma job. C'est hot, là. Moi, je check ça. Ah, t'aimerais ça, pour vrai. Tout ce qui te divertit de toi peut être en live. Je le retrouverais là-bas. Parce que, tu sais, t'es comme, ah, c'est juste du gaming. Le gaming, ça a comme peut-être créé la patente. Ah non, moi, je t'accrois à ça, les games. Je peux pas jouer, là. Hein? Moi, Duck Hunt, je vais jouer toute la journée. Pas Duck Hunt, mais... Ah, t'as la dopamine qui kick in quand tu fais des jeux? Ouais, ouais. Fait que c'est comme... Si tu peux pas jouer, tu peux pas jouer. C'est quoi donc le truc là, que tu te promènes en un vieux jeu, tu te promènes en voiture, tu vois les voitures du bas du monde? Là. GTA. GTA, ouais. Tu sais, j'ai pas fait... Grand Theft Auto. Oui, je m'étais cassé une jambe un été, mon ami m'avait prêté ça. Boy. Puis tout l'été, j'ai joué... Puis là, je disais à ma blonde, ah, 5 minutes, tu sais, 20 minutes, là, ça passait comme ça, tu vois plus le temps. Puis j'avais pas fait aucune mission, mais j'avais juste volé des chars, battu tout le monde, toute la stupidité. Je peux pas jouer à ça. Je trouve que t'as l'air d'un doute qui est un peu accro. C'est parce qu'il est trop intense. Qui est accro à faire de quoi? Genre, la dopamine, si tu penses, non, mais non, mais c'est là, ces mondes-là, tu pars, là, tu sais. Puis là, j'ai vu les jeux, ça s'améliore, là, Chris. Ah oui, on est pour les deux. Mon veut flipper, c'est de pire en pire, je vais te tu sais, là, j'ai jeux de guerre, là, man. J'aime ça, là. Les jeux de chars. T'as jamais autant été dans
poison. Moi, c'est, je me fais trop absorber aussi par le moment. Je fume en plus. Imagine-tu le calvaire, le sortirais plus chez nous. Tu sais, littéralement, non, en fait, non, ton nom est écrit sur le jeu. Ton nom est écrit sur le jeu. Ah non, j'ai peur. Je sais. Puis non, non, non. Oh non. Continue ça, c'est non, ça. Non, non. Continue ça. Bah, acheter des poissons. Mais tu fais de l'argent à jouer à des jeux. Ah, ça va très bien, là. Moi, je joue à des jeux si ça me tente. Je joue pas à des jeux si ça me tente. Je fais des chiens si ça me tente. Puis. C'est ça qui arrive, c'est que c'est les plus belles journées, bon, c'est quand on se prend dans le char avec Adamo, puis on fait juste fuck around. Moi, mon plan de match, c'était. Ça, c'est notre job. Faites fuck around. C'est quoi ça? On fait juste se promener, on va goûter les. On fait juste faire. Mon père dirait flâner. Moi, je dis, je gagne ma vie. Ok, je comprends. Ok, fait nous, on va les. Non, mais. Puis c'est pas vrai. Non, mais, nous, ce qu'on fait, c'est. Les Adamettes, c'est littéralement, on veut tester de 8 à 10 places dans la même journée. La dernière fois, on a testé 9 places de tacos. 7. Il y en avait 3, on arrive, c'est fermé. Fumez-vous des petits bidous entre les deux? Non, même pas. Non, moi, je suis pas un gros fumeur. Si je fume, oublie ça. Mais moi, je fume juste quand je suis là. Incapacité. Moi, je fume juste en dessous. Fait que là, je fume jamais en dessous. Pour manger, mettons, 8 places de tacos. Ouais. Calvaire. Ah ouais, puis on bouffe en tabarnak. Moi, j'ai calculé, la dernière fois, on a mangé 44 tacos à deux. Ça a duré 9 heures. Moi, j'ai parti mon stream le matin. Là, il est 10 heures, je pars la patate. C'est malade, là, pour elle. C'est ça notre job, là. Moi, dans le tournage, là, les grillades de Valleyfield. Savez-vous, c'est quoi les grillades de Valleyfield? Non. À Valleyfield, tout ce qu'ils font dans la vie, un baptême, un mariage, une game de balmol, il y a des grillades. Des grillades, c'est du flan de passe comme du bacon, oh, qui est pas mariné, pas fumé, avec des épices oui, très oui, salées. Exactement, c'est gras, puis c'est bon, puis Chris. C'est bon, Chris. En tournage avec Évasion, je l'avais tellement mangé. À un moment donné, j'ai dit, attendez les gars, je suis allé vomir. Comme, c'est la plus rapport, hein, ça. Une fermette, c'est dégueulasse. J'en viens, les gars, riaient. Chris, j'étais miké. Fait qu'ils m'ont entendu, là, ils m'ont mis sur le mail, vomir. Puis là, quand le tournage reprend, les gens, bien sûr, ils savent pas que je suis allé vomir. J'étais un pro, je fais ça en cachette. Quand je reviens, là, le gars, on fait une shot avec un barbecue, je sais pas quoi, faut que j'en remange, tu sais. Puis là, le gars, il dit « Hey, Philippe, je t'ai sorti d'autres sortes de grillades, comme, tu sais, comme la fois que j'étais plus capable, là. » Puis là, eux, ils braillaient, ils se pissaient dessus, là, man. J'en remangeais des grillades, je venais de vomir de bouffe, là. C'est fou, là. Hey, vomir de bouffe, là, moi, ça m'est arrivé une fois, c'est un all-you-can-eat de sushi. Ça, mon gars, là. Tu veux jamais aller d'un Chris de All You Can Eat de sushi, c'est ça, ouais, c'est la De un, c'était pas écœurant, les sushis. C'était-tu si tu les mangeais pas, t'es payé? C'était trop, genre? C'était-tu ouais, ça? Si tu les mangeais pas, il fallait que les payes. 12 sushis, 12 pièces, je peux manger ça. Et on disait, à l'ancien Vinnie Gambini Stachereau, ça s'était remplacé par un affaire de sushi, je me souviens plus c'est quoi le nom. Moi, j'étais en restauration, puis tu sais, tous les chefs, les cuisiniers qui écoutent ça, sushi à volonté. Tu vas jamais là-dedans. Là. Non, mais on était jeunes, là, je devais avoir 18 ans. Okay, excuse. Là. Ouais, quand tu veux manger, c'était pas ce que tu pensais. Là. Là. Non, 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 c'est quand tu le sais pas, là, c'était comme, oh, wow. Alors, il se passe quoi avec ta crise? Il se passe quoi avec ta crise de quoi, tu sais? Est-ce que tu voulais? Je sais pas, Big, j'ai pas été capable de l'attacher. Non, mais j'étais sûr qu'on voyait pas mes pieds, puis j'ai regardé le truc avec Orange Lessard. Il y avait la petite table, et ça, on voyait pas les pieds. Ouais, il l'a tassé, un peu, là. Il l'a tassé. J'ai l'air d'un vagabond. Mais non, mais c'est correct, tu fais des saucisses, Big. Oh, you all good. Justement. Tu fais moi, des balles, tu fais des saucisses, moi, tu fais du bateau. Tu fais du snow. Moi, ce qui arrive, c'est que depuis que tu parles, puis physiquement, tu ressembles calissement au père d'un de mes potes, vraiment sexy. C'est un playboy, là. Mais depuis tantôt, t'es là, les nu-pieds, je veux du snow, je veux du bateau, je fais ça. T'es comme, t'es trop chill, là. J'ai une question, parce que toi, t'as mentionné par rapport à ta job, par rapport au streaming, que t'avais une blonde qui acceptait tellement tout ce que tu faisais. Est-ce que toi, ta blonde, de ton côté, ça fait-tu longtemps, j'imagine? Je sais pas si t'es à l'aise d'embarquer dans ces situations-là, mais t'sais. Si je dis mon impression, dis-moi si je me trompe, mais t'as l'air d'un gars que... Tu speedrun tellement la vie, tu fais tout à 100 000 à l'heure, que t'as loin, comme, passe du temps avec moi. T'es comme, ah, pas le temps. Puis là, tu fais juste move on. Que ou tu l'invites dans tes affaires, mais. Faut être une crinquée, c'est toi. C'est dur à la placer dans. C'est dur, mais c'est impossible d'avoir une crinquée comme écoute, c'est toute ma vie. T'sais, moi, j'ai pas d'enfant. Fait que. T'en veux pas. La réussite passé, familiale, je l'ai pas eue. Mais c'est passé, c'est fini, t'en veux plus ou. Ouais, non, je pense à toute ma vie, j'imagine quelque chose rampé à terre, là. Ça va pas, là, tu sais. Fait que je pense, puis j'adore les enfants, là, don't get me wrong, j'adore, les enfants m'adorent, là, tout, je rentre à quelque part, là, man, les enfants. Ah, c'est sûr que les kids t'aiment, là. Ils ça connecte, là, tu sais. Fait que. C'est un kid de 45 ans. Je te dis pas, mais je suis pas mal certain que c'est fini, je pense que ça arrivera plus, j'ai pensé à ça, puis, tu sais, je m'en fous, puis. T'sais, toute ma vie, tu sais, je pense que j'étais pris dans le travail pas mal. Fait que je pense que j'étais pas comme là, tu sais, pour. Puis c'est dur, tu sais, à un moment donné, quand tu veux arriver là, dans mes affaires, là, je l'ai kické, là, le style de compagnie. Souvent, ben qui a écopé, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est ma mes blondes de l'époque. Là, fait que ça n'a jamais bien marché. T'sais. On les salue, man. Fait que sinon, ben écoute, ma blonde là, 3 ans, in and off, là, toute plein de mille histoires. Là. Ta blonde actuelle? Ouais.
Puis sinon, ben écoute, c'est ça. C'est, mais est-ce qu'elle est passionnée des saucisses ou non? Elle mange pas les profits. je dirais pas. Non, mais il y a du monde qui me cale des saucisses à la journée longue, là, tu sais. Là, ah, okay, je faisais une petite blague, là. C'est pas comme ça, elle va me dévaliser, là, tu sais. Mais non, non, elle est bien occupée, aussi. Les deux, on est occupés. Tu sais, moi, je suis occupé, là, tu sais. Est-ce que en tant qu'entrepreneur, tu conseillerais à des gens de genre, OK, ben, trouve-toi une fille qui est entrepreneuse aussi, parce que c'est plus facile, probablement. J'ai pas de conseils amoureux à donner, vraiment. Ah non, hein? Tu considères pas comme un. Fais ce que tu veux, Chris, puis whatever. Là, t'sais. Ben, t'sais, moi, je pense que la relation, c'est de la chance. Faut que tu meet. Faut que ça donne que la personne qui profite avec toi va te rentrer dedans, m'en est dans la vie. T'sais. Moi, ma blonde, elle est occupée, elle aussi. Les deux, elle est occupée. Fait qu'elle n'est pas comme à m'attendre tout le temps. Fait que ça, je trouve ça cool. Là, t'sais. Elle sait que je vais être occupée. Puis, t'sais, à un moment donné, c'est quoi? Tu manques de temps. Fait que quand tu te vois, c'est avec cette personne-là que tu veux vivre la meilleure journée de la semaine, là, calvaire. Ouais, là. T'as des moments dans tes moments. C'est le vin, puis là, les petites bouffes, puis wouh! La peau d'ours. Les grillades de Valleyfield. Les grillades. Ma blonde, elle en mange beaucoup, des grillades. La meilleure fois, tu fais tous les jours. J'ai passé une journée avec elle. Mais j'aime ton j'aime ta philosophie, man. Je trouve ça cool. Ben, parce que vous avez le semi. Le chien Jap. Ah ouais. Vous avez la semi-même mentalité dans le côté des kids, je pense. Ben oui, parce que c'est ça. Puis moi, ça connecte beaucoup avec moi. Mais la face que quand tu dis kiki tes affaires, moi, je suis comme. Pourquoi je ferais comme tout le monde en espérant être plus que tout le monde? C'est impossible. Faut t'en faire plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Où tu veux en venir avec ça? Moi, ce que je veux là, dans la vie, c'est kicker peu importe ma business, mon YouTube, mon stream. Je veux faire le maximum que je suis capable. Pour amener ça au maximum que je suis capable sans avoir de regrets de ne pas avoir fait le mieux que je pouvais, tu sais. Ou le plus. T'as l'impression qu'un enfant t'enlèverait le temps que tu pourrais mettre là-dessus. J'en veux juste pas l'enfant, en fait. T'en veux pas? Ben, j'ai l'impression que oui, ça ferait ça, mais je serais pas bon, man. Je serais comme là, pourquoi il marche pas déjà, trop cul? Il y a 6 mois, walk. Je suis pas patient avec les enfants. Moi, les enfants, ils m'aiment pas. Je trippe pas ces enfants. Moi, les enfants. Ils sentent. Je trouve que c'est sans dessin, genre. T'sais, c'est comme 4, 5, 6 ans, ils sont awesome. Puis après, ils deviennent méga rude, là. Puis t'es comme, tu sais quoi, tu fais? Moi, les enfants, je trippe pas. J'ai déjà dit au cousin de mes meilleurs potes, j'avais 15 ans. Je vais te tuer! Il y a 3 ans, le kid. Puis j'ai dit, on mange quoi? Puis j'ai dit, on va te manger toi. Depuis, c'est marqué dans ma tête, il est parti en courant, il pleurait. J'étais comme, je connais pas. Moi, ça, je leur parle en adulte, ça. Ça, c'est hot. Les kids. Pas en bébé. Moi, je leur parle en adulte aussi. Les kids, c'est là! Wouh! Hey, le tarnac! C'est ça en adulte! Ah ouais! T'es terrifiant, dans le fond. Dans le fond, il parle à mon oncle. Ouais. Non, je niaise, mais non, je leur parle comme je te parle à toi. Non, mais c'est ça. Allez, tu fais de quoi de mal? Je te le dis, moi aussi. Chris, t'as fait ça pour telle raison. Chez nous, il y a des statues religieuses. Il y a 1 million de cochonneries, vous allez voir, là. C'est européen, là. Philippe, non, c'est même pas. Mais il y a plein de statues, il y a plein d'affaires. Quand je joue avec ça, je viens fou. Non, pas en tout. Mais j'aime les statues. Je suis pas capable d'arrêter. J'en ai acheté une encore à Drummondville. Tu aimes beaucoup d'affaires. J'ai Michel Prince. J'en ai acheté une le samedi, Chris. 350$, une Marie, 3 enfants. Je suis passionné des poissons. Je suis passionné des conifères. Je suis passionné des statues. C'est quoi ta vie passionné des statues? Il est de même. J'suis passionné. Donne-moi le temps. Là. Il flippe les 20$. Je sais pas là, qu'est-ce que j'aime le plus. Ah non. T'es-tu un genre taponneux? Attends. Vous êtes. J'ai remarqué une chose. Vous deux, là. Il y a une différence, mais qui est quand même assez particulière, qui est quand même drôle. Toi, t'es un esti de dépenseur, c'est clair. T'achètes plein de cossins qui t'aiment, là. Je suis pas dépenseux, là, comme sans compter, mais... Non, mais compter, sur tes petites passions, mais c'est parce que t'as plein de passions. Si j'ai pas d'enfants, là, partant, fait que mes petites passions, ouais, ça revole, là. Puis toi, de ton bord, toi, t'es pas vraiment dépenseux, à part quand tu vas dans tes streams... Ouais, genre ouais. Justement, ben moi, tu dépenses on stream parce que tu veux partager ta passion ou ce que tu es avec ta c'est communauté. C'est cringe de dire que, mettons... Parce que toi, t'as l'air de dépenseur, big. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben là, c'est que j'imagine, genre, la statue religieuse, oh boy, je la veux. 350$, oh, je l'aime. Un coup de cœur, t'es rentré ici, t'as vu. Un coup de cœur, t'as pas le choix! Non, mais t'es rentré ici, t'as vu de suite, là, une pièce de fauteuil, de travail en bois. Puis moi, je ramasse des vidanges, là. Oh non, ça, j'aime pas. Je ramasse aussi des vidanges. C'est sûr, tu tripes ces ventes de garage, une shit. Ah, mais moi, je suis comme un drogué au casino. Je suis comme un gars. Si je vais dans des antiquaires ou des ventes de garage. C'est 3 heures, là. Chris, j'achète de quoi? Je suis pas capable. J'aime ça. Puis c'est pas de la merde, j'achète, là. Non, je sais pas. C'est des bébelles hot, là. Tu sais, là. J'aime les objets, j'aime les. C'est ce qu'un gars qui a un problème dirait. C'est ça que je veux dire par dépenseur. Oh, c'est sûr et certain que toi, tu peux pas passer à côté d'une vente de garage puis genre... Non, mais là, je sais, j'arrête plus. À livrer. Non, je me suis fait un meeting cette année, là, je me suis fait des estis de limite. Ah, t'es revenu. À l'entreprise, il y en a des boutiques, mon gars, je vais dropper des affaires. Fait que là, je me suis fait un meeting, mais ça n'a pas de crise de bon sens. Tu t'es fait un meeting. Oh, oui, à toi-même. Ah oui, comme quand je démarrais, ils en font du bon. Meeting, tout le monde dehors, j'étais tout seul.
Hey, les ventes, le Chris augmente ça. Là, les factures, il faudrait que tu les fasses plus vite. Mais, fait que meeting, là, t'arrêtes d'acheter des astuces de cochonneries. Là, prends un break, calme-toi. Puis, je t'ai bien analysé. Là. Fait que là, je vais plus des ventes de garage. Je vais plus d'un truc de même. Okay, mais si tu mais je fais des poubelles. Là, man, what? Ah oh, ouais, moi, man, je m'en sac. Là. Hey, Chris, là. J'aime ça. Oui, oui, là, des trucs d'un poubelle, là, ben, là, pas des trucs dégueux, là, mais il y a des meubles, des choses comme ça. Un beau spot, c'est dans Villeray. Je trouve beaucoup de choses. Ouais, j'ai plein d'affaires dans mon bureau à Montréal que c'est une vidange, j'ai ramassé. Des shit qui traînent sur le bord, le monde donne ça, tout tu prends. Ah, man, moi, je parle au téléphone, je crisse les breaks, mon gars, le truck, des tableaux. J'ai ramassé un tableau africain signé avec le numéro de téléphone du gars. Je devrais bien l'appeler, mais je me saoule à un moment donné. Mais j'aime ça aussi, tu sais, comme je peux donner une deuxième vie à ces bébelles-là, là, tu sais. Oh, ici, à sa rue principale, je suis parti avec une souffleuse, calice d'un vidange. Une souffleuse vintage. Je l'ai mis devant mon magasin Jean-Talon, sa terrasse. Le monsieur, il broyait quasiment. Il pensait que j'allais partir. Là, là, non, ça va être un décor. Votre souffleuse, elle va finir devant ma boutique à Jean-Talon. Tout le monde va la prendre en photo, va regarder ça. Ça va faire partie du décor. Capotait le bonhomme. J'aime ça. Une belle vieille souffleuse. Là, vous allez en voir l'invidence, je penserai à moi. Je me retiens pas à ramener. Si je vois de quoi d'invidence, qui est quand même cool. Non, mais ça, tu sais quoi? La semaine passée, t'as pogné, on marchait ensemble, puis il a trouvé une imprimante dégueulasse. C'est comme ça. Non, mais... D'un corps d'Africain avec le numéro du gars dessus. Mais tu sais quoi? C'est parce qu'il y a une affaire qui arrive, c'est qu'on n'a pas ces yeux-là, nous autres. Lui, il est un peu comme ma mère. Ma mère est de même. Elle voit tout. Elle passe, là. C'est un méchant compliment d'être comme sa mère, ça. Oh, ben ça dépend. Ça dépend de quelle situation, mais. Je vais vous montrer une chaise que j'ai trouvée dans les vidanges à l'île. Fucking l'île des Sœurs. Une chaise à 5 pattes, à gold. Je l'ai faite recouvrir par mon pote préféré, Purple Cush. Vous allez pas comprendre là, que j'ai ramassé dans les vidanges. C'est super. Mais tu vois, celle une en haut. La chaise antique, j'en sais quoi. La chaise antique haut, là, il faudrait la refaire. Ouais, là, ouais. Non, non. Elle est belle en crise. Elle est belle, mais. J'en ai une, je vais te montrer chez nous. Puis, mais juste défoncée, mais c'est non, tu fais rembourrer, tu te mets un kit de... parce que la base est là, tes trucs de pimp. Tout est beau, là. C'est pas comme des pattes en plus, les pattes. Ouais, c'est sont belles. C'est les lions, là. Ça, c'est gangster. Maman, même tout. Tu sais, dans le fond, tu sais, non, souvent, ce qui se passe, là, tous les ancêtres de mes parents, ils meurent, là. Fait que là, c'est toute ma mère qui récolte tout le stock. What? Les meufs. Ils sont tous rendus vieux, là. Ils sont rendus vieux, 95, 100 ans. Ok. Là, t'es comme. Puis là, tout leur stock est comme. Tous les kids. De l'âge de ma mère, ils veulent tout pour le stock. Fait que tout le temps, ma mère est comme, bring it. Fait que là, des cossins avec des pattes de lion, des tables justement avec genre des fourches bizarres. Ah, de la vaisselle. Tout chez nous, ma mère, elle a fait ça dehors. Elle frotte les meubles, elle les sort. Ça va être beau. C'est jamais fini, mais comme ça va être beau en hostie. Les meubles sont débiles. Puis pour vrai, ça a un look cool, mais ils sont jamais finis. Fait que je serais surpris de voir une vraie chaise que t'as payé quelque part et que tu l'as fini. Je suis sûr qu'on va chez eux. On va comprendre automatiquement le personnage. Mon pop dans mon sol, là, on dirait que ça fait 30 ans que c'est là, là. Ah non, non, hey, des affaires de Marketplace. Hey, Marketplace, on peut s'enlever de ça, Calis? Hey, man, aller acheter des affaires à Blainville. Hey, oh, toi, tu fais ça, toi? Ah, oh, j'envoie des fois des amis. T'as-tu un pick-up? Je mets ça sur Facebook. Gars, j'ai acheté un bac là, de poisson. Le deal était bon. Le gars vend ça 160, ça vaut 500. Chris, je l'ai acheté 4 000 par les pieds. Là, je mets une annonce Facebook. Ça, j'ai comprendre, fait ça. Là, ça ouais, dit, je viens de comprendre pourquoi il n'est pas au IGA. Il y a les hachoirs aussi. Je viens de comprendre. Il y a les hachoirs antiques. Ça, tu sais, à cause de ma compagnie, là, tu sais, les hachoirs saucisses. Ouais, clairement. Ça, les beaux en porcelaine. Ça, Big, moi, j'avais une affaire que j'avais eue au restaurant. Je travaillais à la Roma Antica là, sur Tachereau à l'époque. Wow! Tu connais ça? Ouais. J'ai travaillé là 8 ans, même, 9 ans. Bref, petit les pains boss. Bien dompté. Oh ouais, les pains boss. Genre, classe à fouette, en esti. Ouais, bref, les bons vieux Grecs, là, avec la bonne mentalité. Exact, là. Non. Anyway, à un moment donné, ils ont jeté une machine, c'était un slicer. Yo, un slicer, tabarnak. Tu sais combien ça vaut, un slicer? Parce qu'il y en avait un nouveau, puis là, ils l'ont juste crissé dans les vidanges. Ils crissent dans les vidanges parce qu'il manque souvent un truc de sécurité, puis le NSST passe, puis. Ouais, exact. Fait que t'as pas le droit, là. Fait qu'il est souvent. Mais ça, c'est full dangereux, le truc que tu fais. Ouais, mais, si je veux dire, si tu fais attention, puis tout, ça vaut. C'est chez vous, là, tu t'en fous. Moi, ce machine-là, j'ai checké, elle valait quasiment 2000. Ah, ouais, clair. Ils l'ont jeté. Ils l'ont juste jeté. Ah non, tu changes de jambon, là, mon vieux. Je l'ai vendu avec, je l'ai revendu. Ben oui, Big. Mais ça, c'est Longueuil vibe, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est real, là. Ben, je veux dire, tu l'as pas volé, là. Mais non, je l'ai pas volé. J'ai juste pas dit que j'allais le prendre, là. Mais tu sais, il l'a rejeté. Ils l'ont jeté. C'est moi qui l'ai mis sur le bord du container. Puis avant de la déposer, dans le genre. Ben, je l'ai juste laissé là. J'ai fermé la porte un peu pour pas que quelqu'un passe parce que, tu sais, on était quand même à Greenfield Park, là, dans un quartier que tout le monde, ils peuvent se pousser avec des shit, là. Hey, guys,
C'est pas mal la fin, je pense. Impossible. C'est un peu la fin, mais... On vient d'arriver, on dirait. Mais il y a un Patreon. Et là, le Patreon... Tu n'es big! Non, non, c'est vraiment vrai. C'est quoi ça? Patreon, ça, c'est comme un surplus. C'est une heure et demie. Philippe, il devrait être co-host, hosti. Ben, toutou. C'est le Philippe Show. On a même pas parlé de toi, Big. On a parlé de Philippe tout le long. Dude, je parlais, j'étais comme, ferme ta gueule, écoute. On dirait que c'est comme si c'est un mentor. Je me sens mal, Chris. Non, non, il n'y a pas aucun stress. Je pensais que c'était chacun de nous. Non, non, c'était fucking bon, le manga. Non, non, c'était un esti bon podcast. Chris, ça, ça n'a pas rapport. C'est un tabarnak de bon podcast, guys. Nous, t'es insane, puis t'as pas du poil gris en face pour rien. C'est bon ce que tu dis. Chaque poil a une histoire. Ouais, non, mais c'est. Chaque poil blanc a une histoire, Big. Non, mais c'était pas comme mon oncle Sou qui déblatère. C'était bon, là. Non, c'était bon en tabarnak. Puis là, parlant de quelque chose qui était bon en tabarnak... Cette fois, j'ai eu chaud aux fesses. La saucisse est encore meilleure que ces histoires. Je vous le dis tout de suite. Là, où est-ce qu'on peut aller checker vos shit, là? Évidemment, toi, Matt Pellerin sur Twitch, majoritairement. Ben ouais, j'ai un peu le temps. Mais que ça a commencé trop vite. J'ai un peu le temps de le plugger sur mon Discord. Discord, c'est une application. Excuse-moi, t'es vieux, là, mais... C'est une application, en fond. T'as quel âge, toi? J'ai 28. Pour vrai? Toi, t'es quel âge? 34. Je vais avoir 35 là, dans un mois. Ah, mes petits crosses. Oh shit, mon vrai, dude! Mais moi, j'aime ça, la vieillesse. Je trouve ça le fun de vieillir. Puis moi, j'adore vieillir. Puis moi, tout ce que tu dis... Je le fesse-tu là ou j'attends? Non, tu peux le fesser en Patreon. Tout ce que tu dis là... Ah, mais ça va vite, mon gars. Non, mais tout ce que t'as dit là, c'est des expériences que moi, j'ai... Chris, j'ai hâte de... Ah, c'était plus vieux. Non, Suisse, j'étais le trou de cul, même. J'étais jaloux. C'est hot ce que tu dis, genre. C'est des belles histoires. En tout cas, moi, je suis juste jaloux. Je trouvais ça cool. Ce qui est le fun, c'est que le trois quarts des histoires qu'il a racontées, il était déjà plus vieux que toi live. C'est vrai, c'est ça. Ah, mais visualise, t'as starté les saucisses à 30 ou 34? 34. À 30, j'étais à l'auberge. Moi, c'était flyé parce que, gamin, je me suis dit, le monde, ils travaillent toute leur vie, ils arrivent à retraite, Chris. Ouais. Je sais pas, ils bandent, puis ils pognent le cancer, je sais pas quoi. Moi, j'ai dit, regarde, de 20 à 30, je vais vivre comme un retraité. Fait que je travaillais au bar 3 jours, j'allais au HEC, mais je m'amusais à fond. De 30 à 40, je dis, c'est qu'il faudrait bien que tu aies un petit succès d'affaires. Faut que ça lève. Mais attends un peu. Mais j'ai une question, moi. Avant que tu ailles plus loin, je veux juste savoir si tu es d'accord avec moi. La trentaine, selon moi, ça a été. C'est jusqu'à maintenant la plus belle décennie de ma vie. Jusqu'à maintenant. C'est mieux que tes 20-30. C'est toujours absolument magnifique. Genre, la vingtaine a été incroyable. De 10 à 20 aussi. Genre, tu vis ta jeunesse, tu t'apprends à te connaître and shit. Ouais, t'as raison. La vingtaine est incroyable, mais la trentaine, jusqu'à maintenant, c'est là où on dirait qu'il y a le parfait balance. La parfaite balance de business, ami. Tu sais c'est qui tes vrais chums que tu vas avoir encore. Tu sais, j'en ai déjà des que j'ai depuis la maternelle, là, mais je veux dire, il y a comme une balance qui vient s'harmoniser avec toutes tes parties. Tu sais que tu connais ton corps. Ça fait fou de sens. Ton... Que tu dis en plus que t'es plus vieux, tu connais tellement mieux, t'as des meilleurs objectifs, sont plus clairs. Tes objectifs sont la clairs. La gang que t'as autour de toi, t'as fait le tri, tu sais. Ouais, t'as clairement. Le tri, fait que là, c'est les... Mais je comprends. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je peux juste vous dire, les boys, ça va vite. Là. Dans 5 étés, là, j'ai 50 ans. Là, c'est de la merde. C'est quand même doux. Mais t'aimes pas ça? Après t'aimes ça, pas c'est, ça, c'est... Mais qu'est-ce 50? Après 55, 72, c'est fini, là? Chris, voyons! Mais moi, c'est mais il reste quand même 15 ans! Non, mais Alamo, tape dans le tas, mais Alamo, je vois mes parents, je suis comme, qui sont bien rendus vieux, plus, je suis comme, là, qu'est-ce que je fais? Je regarde vers moi, je suis comme, Chris, moi tout, man! C'est terrorisant! 28, arrête! Non, mais dans le sens que ma mère, dans ma tête, elle a eu 40, puis là, elle a quasiment 60, puis je suis comme, wow, je vais avoir 30 dans pas long, là. C'est buzzant, là. Le temps passe beaucoup trop vite quand t'as full de fun. Quand le moins que t'es misérable, plus le temps passe vite, j'ai l'impression. Ouais, c'est peut-être mieux que j'arrête tout, soit je vis, je vestis ma vie comme misérablement. Tu tripes tellement que t'es comme, Chris, comme là, ça fait une heure et demie qu'on jase, on dit, je viens de m'asseoir. Tu sais, là, quand tu fais de quoi que tu tripes, puis t'es occupé, ça va bien ou pas, puis là, tu travailles pour que ça pousse, on dirait que c'est comme, t'as 4 ans qui ont disparu, t'as trippé avec la liberté, puis là, tu pars tes saucisses. T'as pas de regrets, là, t'es bien. Non, 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 non. Regrets, j'arrête de voyager encore plus. Ah ouais? Ouais, quand j'étais jeune, surtout. Tu sais, quand t'es jeune, là, dans la vingtaine, tu peux coucher colis d'un banc de parc, là, tu sais. Là, quand tu vieillis, tu ouf, tu sais, là, t'as besoin de ton petit confort, tu gosses. Ça, je le regrette, mais tu traînes un bar, je fais de l'argent, là, des blondes, je sais pas quoi. C'est pas comme si t'avais pas eu de fun, non plus. Ça, mais c'est la seule chose, tu sais. Ça, là, les jeunes à 20 ans... C'est pas un réel regret, tu sais, c'est plus un genre de « Ah, j'aurais pu ». Tu sais, non, mais moi, là, à 45 ans, il y a des pays là, que je me dis, là, je pense j'étais convaincu que j'allais y aller 3 fois, là, me brosser les dents là-bas. Je suis pas allé une crise de foi, là. Hey, là, wow, là, tu commences à. Tu sais, le COVID t'en a enlevé 3, là. Je trouve que ça, les voyages, en tout cas, ça serait le seul conseil que je dirais au monde, là, partez. Là. Quand tu es capable de coucher n'importe où quand t'es jeune, là, fucking vas-y, là. Ça, je l'ai pas assez fait. That's it. Bon conseil. Ça, c'est le beau mot de la fin. Et là, où est-ce qu'on va checker tes affaires? Premièrement,
Vas-y, tu peux réénumérer partout où tu peux aller chez Saucisse. Je vais aller follow tout ce que tu dis. Les saucisses, let's go. Ils sont où pour acheter des saucisses? Tout ce que tu nommes. Les enfants du bord, allez sur Google, ça se passe. Encouragez vos artisans québécois. On travaille fort pour mettre des acides bons ingrédients. Il n'y a pas de gluten. Le seul moment qu'il y en a, c'est quand il y en a dans un ingrédient. Comme dans le Kraft Dinner, on n'a pas le choix. Ou sinon, dans le, je sais pas, moi, dans la bière. Là. Mais sinon, on ne met pas de ça. Ensuite de ça, Koi Daddy, si vous voulez m'encourager, vous pouvez m'acheter des chandails, des crewnecks à 50$. Philippe sur Philippe YFB sur Instagram, Philippe Saint-Laurent sur Facebook, puis that's it, man. Vivez votre ça vie. Ça va, ça, man. Puis, allez voyager, guys. Si vous êtes jeune, vous écoutez ça, voyager. C'est les paroles, les dires, les légendaires dires fondamentales de cet homme légendaire. Putain, Philippe. Toi, t'es légendaire. Ouais, merci, man. J'apprécie. Si ça vient de toi, je suis content. Allez, les gars, yes. Et de l'autre côté, on a Mathieu Pellerin. Mathieu Pellerin, ben, vous allez pouvoir le voir. Ouais. Moi, ça va bien. Écoute, on peut voir des vidéos sur YouTube avec lui spécialement. C'est les meilleurs. Les trucs d'OD, les React, on s'en crisse, mais c'est de la bonne aussi. Attends un peu, on peut-tu en parler de ça? Ah, c'est parce que la semaine passée, on passe la journée ensemble, on a tué ensemble en 10 heures. Juste avant de venir, on finit après. On a joué ensemble en 10 heures, on a eu du fun, c'était une très belle journée. Le lendemain, il passe son stream, il se met chaud, ben tu sais, comme d'hab. Puis là, il est son stream, puis là, il fait « Tabarnak! » Je moi, l'aime, le monde, Mathieu. Moi, le monde qui prennent de quoi de bon, puis là, ils mettent ça avec leur sauce, puis ils font rien de spécial. Là, c'est full facile, puis ils ont tout le mérite. Je l'aime, Mathieu, là. Je l'aime. Mais tabarnak, faut qu'il se réveille. Puis là, il chiant, puis il me bitch, puis il me bitch. Moi, je l'écoute, puis moi, je suis le même. C'est en live aussi que c'est moi, bon. Je suis le même. Puis là, le monde, là, je suis là, là. Je regarde. Puis là, le monde m'envoie des clips de lui qui dit ça. Je suis comme... Pas besoin de m'envoyer, je le vois là. C'est correct. Là, c'est quand il m'a dit, genre, tu t'es vraiment bitché. Je suis comme, de quoi tu parles? J'ai pas bitché. J'étais chaud pas mal. J'étais chaud bot pas mal. Là, il me dit, ah ouais, j'ai vu des clips que tu disais que, genre, j'étais. Comment j'avais dit ça? C'est quoi le mot? J'ai chaud là. J'étais un esti de sell-out. C'est un esti de sell-out. Là, je suis comme, j'écris juste, ah ben c'est vrai. Là, ouais, mais tu sais, j'étais comme, c'est vrai. J'étais comme, c'est pas faux. Tu sais, je comprends la patente. Parce qu'à l'amour, quand il veut chaud, il devient fuck the world, fuck the system. Il devient comme. Aïe, la radio, la télé. Avec mes saucisses, moi, dans mon cœur, ça vient me chercher. Là, parce que c'est real. Là, c'est vrai, c'est bon, j'aime ça. Là. J'aime le petit feeling des fois quand tu fumes et du vin rouge, là, tu viens pirate un peu. J'ai un œil qui ferme. Là, quoi. Ouais, Adamo, lui, c'est comme les hosties de subvention. Puis moi, il dit que la terre est plate. C'est parce que cet hostie-là, il est contre le système classique. Il trouve ça BS puis il veut pas se faire. Oui, après 12 bières, lui, il a la solution. Non, parce qu'il est amer que moi, je suis comme, j'adore c'est le système. C'est de l'amertume. Moi, je suis comme, l'amertume j'adore le système. J'adore le système. En tout cas, tu sais, agree to disagree, je suis d'accord avec lui, par contre. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi aussi. Je veux dire, tu fais bien d'être sell-out parce que t'es bon pour faire ça, tu sais. T'es bon quand tu fais tes affaires de React OD. C'est une bonne affaire que tu le fasses. Si tu vas chercher du cash sur ces estis-là qui font, font la crise. Chaque automne, l'émission joue. Moi, je le regarde en live, c'est Money Season. Ils appellent ça Money Season, c'est pas pour rien, c'est salade as hell. Parce que bref, je check le show, je ris de tous les participants. Moi, je me suis fait cancel parce que j'étais un bully. J'étais trop manqueur. Mais je suis comme une fleur qui a poussé dans la neige. Tu comprends? Ça a fait pareil. Genre, c'est pas grave, on le prend quand même. Mais moi, chaque année, je check le show, puis le monde s'attend à ce que je dise de la merde. Fait qu'à chaque année, là, ça va faire 3 ans qu'on fait ça, là, puis je le sais, ça va être bon. Moi, checker ça, mon rire, puis lui, il va être fru. Non, mais non, je vais pas être fru, je vais jamais être fru. Je vais juste être comme. Ok, là. À chaque fois, je vais tomber sur son stream qui est en train de regarder et réagir à OD. Ce qu'il l'a mis au monde en train de. Lui, il a gagné le show, il a jamais checké un épisode. Quelle cave! Anyway. Là, tu t'es pas écouté. Pas vraiment. Ben non, tu veux pas, là. C'est weird. Tape ses nerfs, là. Je l'ai écouté un peu à cause de lui. Mais il a même pas checké le show de personne d'autre. C'est ça qui est bref, drôle. Guys, oubliez pas de vous abonner. Merci à tout le monde. Cool. Le temps d'une mousse. Et on était content de recevoir notre bon boy qui fait partie de la Content House. Mathieu Pellerin, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas revu. Là, il est là aujourd'hui, puis il est là pour rester. Pour le Patreon. Ok, on s'en va au Patreon. Peace, guys. Ok, je vais même tirer une piste. Oh, tu sais, full envie, ça fait une heure. Mais pour vrai, franchement, hey, c'était bon.